J'ai fini, j'ai fini. Alors, ah non, fallait pas que je clique sur continuer parce qu'en fait, alors, oui, l'autre phase que j'ai prise, c'est évidemment la phase Trigon, puisque j'ai continué à jouer à Trigon aussi cette nuit. J'ai du lag, non, sur la cam. Vous me dites s'il y a du lag sur la cam. Merci Charlie pour le troisième mois. Merci beaucoup Charlie. Sachant que maintenant j'en ai fini avec les adaptateurs et j'ai un vrai câble mini HDMI vers HDMI. Et ça fait plaisir. Bravo, ça continue sans nous. Et non, puisque Lithium, j'ai été intelligent. Je n'ai pas continué la campagne. J'ai testé le mode libre. Donc du coup, la campagne du jeu, on va la continuer ensemble. Ça va être masterclass. Et en fait, t'as un mode libre. Je vous montre un peu comment ça fonctionne parce que c'est trop bien. Mode créatif, tu construis ton vaisseau et juste tu te balades. Et genre c'est trop bien. Genre vraiment, tu prends un des vaisseaux que t'as débloqué. Donc là nous on n'en a que 3, donc c'est pas rigolo, mais imaginons tu prends lui, tu mets autant de membres d'équipage que tu veux, mais bon ça veut dire qu'ils consomment plus de ressources, etc. Donc c'est pas forcément worth. Tu leur mets des spécialisations, machin, etc. Tu peux mettre les armes que tu veux, des drones, tu peux mettre les systèmes que tu veux, donc tu peux te mettre des boucliers, tu peux mettre l'infirmerie, machin, machin, et tu peux mettre le niveau de chacun. Au niveau que tu veux, genre bouclier 5, pilote 3, etc. Et du coup, réacteur, bah, je mets 25 et puis let's go. Et là, tu te fais une run où t'as même pas besoin de dépenser de sous parce que t'es déjà broken, quoi. Voilà. Mais nous, on va continuer la campagne. En facile, toujours. Je me suis pas mis en facile. Toujours en facile et on passera en normal quand on fera. Donc maintenant, on est eux, là. Y a pas de musique. Ah oui, je sais pourquoi y a pas de musique. Et oui. Je sais pourquoi. Hop, voilà. Hier, il galérait à lire les streams et en même temps à être en ultra quand je regardais Garou Goobits. Du coup, j'ai mis en moyen. Bien sûr, c'est professionnel. J'ai fait une alliance si tu veux. Ah non, non, mais moi, je vais pas y jouer. Hein. Non, mais vraiment, je vais pas y jouer. Arrête, je me suis reparti en normal. En vrai, après, on peut essayer en normal. Hein. On démarre à 4. Ah, mais eux, ils graillent. Hein. Eux, ils graillent de ouf. Ils graillent de ouf. J'y vais en facile. Salut Cornemuse, comment vas-tu? Et j'ai mangé aussi. J'avais jamais mangé un éclair au chocolat. Bah non, pas un éclair au chocolat, un éclair à la vanille. Pourquoi personne m'a dit que c'était délicieusement bon? C'est incroyable. Bah du coup, Charlie, vu que t'as sub, c'est toi. T'es là, regarde. Charlie Storm. Hop. Bravo. On démarre avec un lance-roquette et un lance-roquette tonnerre. Ah oui, d'accord. On démarre avec deux lance-roquettes en fait. Salut Satange. On démarre avec deux lance-roquettes. Ah ouais. On a un générateur de bouclier, il est à 1. Hyperpropulsion 1, infirmerie 1. Module vital est à 5 sur 3. Et oui. Et oui, obligé. C'est clair, avec la couche blanche. Ouais. Ouais. Bah c'est broken. C'est juste trop bon en fait. C'est juste meilleur que le chocolat. Que l'éclair au chocolat. En fait, plus je vieillis et plus j'aime la vanille. Donc du coup. Chasseur cosmique, vous êtes un grand guerrier de la puissance race Raki. De la puissante race Raki. Vous êtes revenu à la raison après plusieurs centaines d'années de batailles incessantes dans le secteur Etari. Et vous ne comprenez pas tout ce qui se passe ici, ni pourquoi vous avez combattu si longtemps. Vous devriez découvrir ce que faisiez ici. Je peux t'en faire si tu veux. Tu es pâtissier? Ton avis sur les éclairs au café? Moi j'adore le café. Donc les éclairs au café, j'aime ça. Mais moi, moi comment on appelle ça déjà? La crème pâtissière qui est à l'intérieur des choux là, des éclairs. Mais je préfère un bain. Je préfère un bain de ça en fait. Merci Albo, merci beaucoup. Oublie pas, clique sur le bon lien. Hein. Te lance pas dedans en malversant. Merci Woodlutin pour ton cinquième mois. Merci beaucoup. Tu vas pouvoir rejoindre l'équipage. Regarde, hop. Et c'est vous le lutin, félicitations. Et j'ai reçu aussi une clé là d'un jeu en bêta. Le jeu a l'air insane. Attendez. Je vous donne la description du jeu, vous allez péter un plomb. Attention. Tatata. Spiritfall is a 2D action roguelite inspired by platform fighters. A mix between games like Hades or Slay the Spire with games like Smash Bros or Multiversus. Autant vous dire que on va le tester. Hein. Dis-moi quand tester Test of Even.
J'ai pas encore testé. Bref. Alors attendez, parce que là, du coup, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que à chaque tour, on génère 10 ressources. Attends, c'est quoi ça? Se téléporter vers le vaisseau ennemi? Se téléporter vers votre vaisseau. Ah mais oui, parce que j'ai un téléporteur. Et oui, il est là mon téléporteur. Mais du coup, quand je fais ça, ça téléporte tous mes persos ou juste ceux qui sont là? Oh là là, on va découvrir le gameplay téléportage. Par contre, du coup, peu d'armes en fait. En fait, en gros, on va jouer full téléportation dans les ennemis et les malverser quoi. Ok, vas-y, ça me va de tester ça. La castagne. En vrai, j'ai jamais testé, donc... Salut, Jadounet. Jamais testé, donc je suis chaud de voir. Vous passez devant un marchand ambulant, il vous invite à jeter un coup d'œil à ses marchandises. Bah en vrai, on joue RP, je le vole. Vous attaquez le marchand en espérant faire une bonne affaire, sauf que ce marché implique sa mort. Ok, et là, si j'appuie sur T... Ah mais j'ai personne dedans. Et là, tu te TP? Il s'est pas TP? Attends, quoi? J'ai pas compris le gameplay TP, là. Faut pas que je tire, en fait. Je refuse. Ah, voilà. Il y est. Vas-y, frérot. Vas-y, dealer. Ils sont lents, mes persos. Ils sont lents et j'ai pas de shield. Il est en train de le ratio, là. Il est où? Je peux pas y aller. Fume ça. Attends, toi aussi tu vas y aller. C'est long le TP ou pas là hein. Je comprends pas tout. Banger la musique. Ah non mais le jeu est exceptionnel hein. Attends, je vais crever là. Non, c'est bon. C'est passé quoi? Ah non, ils sont de retour. Attends, j'ai pas compris là. Chiche, pourquoi ils réparent pas? C'est bon, t'as réparé? Ils réparent pas là. Pas d'oxygène. Mais pourquoi? Flemme, je joue à WoW. Mais répare hein. Pourquoi il répare pas? Suffocation, capitaine aux portes de la mort. Je comprends rien à ce qui s'affiche, je suis très con. Non mais dès que j'ai les sous de l'OP, je me prends un perso level 60 là et je vais cliquer d'en haut je pense. Hein. Là j'ai juste la flemme de Pex, mon perso il est level 30, allez Pex, à l'aide en fait. Bon du coup expliquez-moi là pourquoi je... Elle est où la brèche? Mais pourquoi suffocation? Je comprends pas vraiment. Ouvrez tous les sas. Là ça se répand du coup. Non c'est bon. Ah ils ont pas d'aération. En même temps ça se voit ça pue hein. Merci Lactel. En même temps ça se voit ça pue dans leur vaisseau. Ils ont des pinces, ils peuvent pas réparer. Alors attends, Wood Lutin, t'es quoi? T'es guerrier. Bon bah toi, tu vas te mettre là-bas. Ah mais ils sont tous guerriers en fait. Ils sont tous guerriers. Donc en fait, limite... Un vaisseau de gamer. Salut Pascal, salut Alexis. Limite, faut TP direct quoi. Toi je te mets là. Et puis la prochaine fois qu'on arrive sur un vaisseau, juste on se TP quoi. On va tester. Le pec c'est rapide apparemment. Dans WoW? Je trouve pas. Je trouve pas ça rapide. Et quand tu joues mage, tu te fais défoncer par les ennemis donc. Aider à transporter les cendres et taris, attaquer la colonie. On joue RP là. Hein. Espèce de sale vermine! Moi une vermine! Tu vas voir. T'as TP là, t'as TP fort. On les ratio hein.
Vas-y, faut tuer tout le monde. Ah bah attendez, c'est incroyable ce gameplay là. Le pex de 60 à 70, oui, mais sinon ça prend du temps. Bah après, de toute façon, 60 à 70, ça me dérange pas parce que t'es sur du nouveau contenu, c'est le nouveau contenu de l'OP. Mais en vrai de vrai, avant Dragonflight, le jeu c'est lunette. Hein. C'est vraiment lunette. Hein. Le jeu est pas beau. Hein. Le jeu est pas beau et on se fait chier. Hein. Moi, je dis les termes. Il y a encore un quemé là. Avant Dragonflight, c'est l'emmerdement. Mais là, le gameplay dragon, les zones qui sont trop belles. Tout ça là, ça me donne vraiment envie en fait. Attends, mais. J'ai tué tout le monde là. Pourquoi il abandonne pas? C'est pour ça le slip et hop, 48 en non-stop, il sera niveau 60. Ah, il est là! Il est là le quemé! Bravo! Ah oui, non mais d'accord. Quand tu tues les types sur place, ça fait un peu de loot. Par contre, voilà. Non mais vous m'expliquez pourquoi? Attends, mais je comprends pas. Je comprends pas l'oxygène. C'est bizarre. Tu joues la classe dragon, t'as pas besoin de sésame, t'es direct 60. Oui, mais faut que je paye 60 balles le jeu, quoi. Parce que là, j'ai pas Dragonflight. Salut Shadow Sun, salut Tony Guerry. Trop beau le vaisseau en face. Ouais, c'est la prochaine race qu'on débloque, je crois. Ou c'est la race d'avant, je sais plus. Faut que j'améliore absolument le heal. Hein. Sinon, on va se faire chier. La santé est restaurée à 30% des dégâts infligés en combat rapproché. Ça, c'est broken. Les dégâts en combat rapproché augmentent de 2. Dégâts attaque. Moi, je mets tout dans les DPS. Hein. Je voulais te filer une épique édition, mais fallait que je les fasse gagner pour l'OP. J'ai participé à l'OP. Enfin, j'ai participé aussi. J'ai mis mon point d'exclamation et tout. Je me suis dit, en vrai, ça va être rigged. Je vais l'avoir, je vais gagner. Que dalle. Que dalle. C'est bien la preuve que c'est transparent quand même. Hein. Merci World Test Level Up pour le follow. Merci beaucoup. Bien la preuve que c'est pas mal versé quoi. Alors toi tu vas retourner là-bas. Faut juste que je me set up mieux là. Par contre c'est beaucoup plus de micromanagement quand tu joues... Attends mais toi t'es pas heal. Quand tu joues au cac comme ça en téléportant directement dans le vaisseau ennemi. Ok. Vas-y bah go. Ça prend 80€. Non mais là de toute façon si t'as déjà le jeu genre l'extension, je trouve ça un peu abusé qu'il la vende 60 balles mais bon. Envoyez un guerrier expérimenté, vas-y j'envoie le guerrier expérimenté. Vous arrivez aux dernières coordonnées de votre mission. Vous trouvez dans une colonie Etari abandonnée qui a été détruite et pillée par votre peuple. Les réponses à vos questions doivent se trouver en dessous. Les batailles sans fin nous renforcent. Mais aujourd'hui, nous avons des choses pacifiques à faire. Descendons et trouvons la cause de notre longue et belliqueuse transe mes amis. Un chasseur doit penser à plusieurs coups d'avance, surtout un chasseur de Raki. Les éclaireurs dans les bois rapportent qu'il y a beaucoup de raquis sauvages là-bas. Vous organisez un raid aérien sur le territoire de sauvages et vous vous rendez sur le lieu de la dévastation à la recherche de preuves. Ok. L'enquête sur la colonie détruite s'est avérée fructueuse. La base militaire de Kairaki. C'est là que les raids sur les Etari voisins ont commencé. S'il y a un endroit où vous pouvez espérer trouver des réponses à vos questions, c'est bien ici. C'est tout ? Faut que j'aille où maintenant ? Là-bas ? Ok. Vas-y, bah je vais faire le fight de boss là. On va tester un peu notre stratégie là. Notre stratégie immonde. En arrivant dans le système, des morceaux d'astéroïdes et des nuages de poussière spatiale brouillent les capteurs. Vous regardez dans la brume et reconnaissez les contours d'un mineur de classe USG. Ok, ok. Ça, on connaît déjà. Donc là, hop, moi, je TP direct et je TP aux armes. Je TP aux armes, comme ça. Voilà, mais broken. Broken ce que j'ai en train de faire là. Oh la strat. Oh la strat, mais c'est incroyable ce que je suis en train de faire. Par contre, j'ai plus d'oxygène. Bah oui, j'ai plus d'oxygène, j'ai fumé leur oxygène. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah, c'est bon, ils ont réparé l'oxygène. Ils ont fumé mon système de sas par contre. Oh, vite, faut aller réparer le système de sas.
Et par contre, il répare à une vitesse. C'est affolant, quoi. Merci, enfin bonjour, Sebsen. Merci d'être là. Voilà. Pourquoi j'ai une cabine cryogénique qui permet de geler des unités afin d'épargner les ressources des vaisseaux et de retenir des captifs. What? Comment ça fonctionne? Je peux geler des unités? Ok, je vais fumer ça. Ah, il va être chaud à tuer, lui. Oh, ça va. Oh, ça va, je le ratio. Je pense que c'est le dernier. Oh, faut vite le buter avant qu'il me bute moi. Bravo. Juste bravo, en fait. Et là, je pense que je vais augmenter ça. Parce qu'en fait, c'est hyper cringe. C'est hyper cringe de pas avoir ma pharmacie up. Et là, pourquoi j'ai pas... Et c'est bizarre, en vrai. Pourquoi pourquoi après chaque bataille, tout le monde suffoque, là? C'est quoi cette histoire? Pourquoi... Y a pas de porte ouverte sur l'extérieur. C'est un bug ou quoi? Nous ne pouvons pas l'emporter. Mais de quoi vous parlez? Non mais attendez, mais c'est chelou, non? Ah, c'est ouvert ici! Oh, c'était ouvert là! C'est ouvert là! C'est ouvert ici! Ah oui, d'accord, on a ouvert sur l'espace. Ah oui, non, mais c'est pas clair aussi. Vous m'avez pas donné tous les... Ah, c'est ouvert ici. Ok. C'est peut-être ma faute. On va fermer tous les sas, voilà. Comme ça, tout est fermé. Tout va bien. Ok, retourne là-bas, toi. Retourne là. Et vous deux, retournez là-bas. Et puis, je vous passe les levels, là. Le Kung Fu, le point d'Andromède, le combat sans contact des étarides, de l'utilisation d'un couteau de cuisine et tous les endroits d'être considérés comme des arts martiaux. Les dégâts augmentent de 10. Ah, il y avait un sacré courant d'air. Ah, quoique, il n'y a pas d'air dans l'espace, Guruk. Hein. Ça se voit que t'es pas très scientifique. Hein. Ça serait pas arrivé dans FTL. Hein. Bah, ça peut. Hein. Je raconte n'importe quoi. Juste, t'es un rageux, en fait. T'es un rageux parce que tu t'es attaché à des reliques du passé, Gagaro. C'était la blague. Bah, tu ne manques pas d'air, Guruk. Vous l'avez? Bah. Un humain vos contacts qui se présente comme le superviseur élu de la colonie de recherche. Je repose pas mon aide, moi, je joue RP, hein. Plus ça à l'infirmerie. Oh, GG. Gratuit comme ça. Bah, je prends, en vrai, hein. Moi, je prends tout. Moi, tout ce qui est gratuit, tout ce qui est gratuit est bon à prendre. C'est comme ça qu'on dit. Téléportation. Envoyez un membre de l'équipage dans le dôme. Votre équipage descend sur la planète sous le dôme. Après un moment, ils reviennent avec deux nouveaux membres d'équipage. Les humains sont heureux de se joindre à vous, ne serait-ce que pour éviter d'être coincés sur cette ennuyeuse prison. Attends, mais c'est trop bien! C'est trop bien! Mais ça, c'est trop trop bien! Oh, j'ai un pilote et un bouclier en plus. Mais comme ça, regardez. Ça va être incroyable. Toi, t'es opérateur de bouclier, bah tu vas là. Et toi, tu vas là. Oh. Mais so long les ennemis là. Regardez, je vais TP avec les 4. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Envie de me battre là. Ça va juste être incroyable en fait. Par contre, du coup, on perd 3 de bouffe à chaque fois qu'on se TP vu qu'on est très nombreux. Donc, va falloir gérer ça. Ok, on se TP où? Moi je dis à l'infirmerie, comme ça on fume l'infirmerie direct. Eh oui! Oh, on l'a one shot! Oh là! Mais c'est eux aussi, ils sont des rakis! Ce sont des rakis aussi! Salut, bus de 3. Est-ce qu'on est en train de gagner là? On est en train de gagner là. Oui, on a gagné.
Tout le monde est mort ? Personne n'est mort. J'ai encore... Attends, j'ai... Attends, quoi ? J'ai... Mais non, mais... Attends, mais je peux pas encore recruter des gens, là. C'est pas possible. C'est qui, eux ? Compagnon. Non, mais attendez, mais... Je dois le recruter ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Expert en bouclier. Opérateur de bouclier, mais j'en ai déjà un. Après, le mien, il est pas niveau 3. Au revoir, ami, ennemi. Je comprends pas. Pourquoi il me le met là ? Et ça, c'est quoi, ça ? Compagnon, joueur. Bah. Ils veulent que je lui donne des quemés ? Attends, what ? Ah non, je l'ai... Oh ! C'est des gens que j'ai cryogénisés ! En fait, je les ai cryogénisés. En fait, en gros, j'ai une prison... où je peux cryogéniser des quemés et après aller les vendre. Donc en gros, faut que je prenne celui qui a le plus de valeur, quoi. Lui, il a l'air d'avoir de la valeur. Ah bah, pas du tout, il est niveau 1. Vas-y, lui, il est niveau 3. Et lui, il est niveau 3. Eux deux, je vais les cryogéniser et les vendre. Vas-y, on va faire ça. Et c'est parti. Il y a eu Wood Lutin casse. Ok, c'est bon. Tous les noms sont bons. Artiste martial. Prendre concasseur. Faut qu'on ait des gens qui puissent fumer les. Les dégâts zombies sont réduits de 25%. On prend Sprinter. Ok. Des prisonniers, on dit ? J'ai dit quoi ? Là, du coup, ils sont là, là. Ils sont là, ils sont captifs. Ils sont en captivité. Un jour est passé. Ils vont m'attaquer, là. Ou pas, en vrai. Et j'ai combien de missiles ? J'en ai plus que 11. C'est pas énorme, ça. Hein. Comme moi, je suis en captivité. Qui est captif du stream, là ? Vous tous, hein ? Vous l'êtes tous, hein ? J'espère. Attends, pourquoi il veut pas y aller, chiche ? Fais un effort, hein, s'il te plaît. L'effort commun, quoi. Moi aussi, je suis captif de ma chaîne, hein, de ma chaîne Twitch. Ah, j'ai pas lancé de VOD. Vas-y, je découperai après. Ou je lance maintenant, je découperai après. Parfois, vous pouvez rencontrer une patrouille Venator dans un nouveau secteur. Ou tomber dans une embuscade de pirates. Bon, allez. On verra, hein. Je peux pas aller là encore. Let's go. Level 5, c'est good. Merci, Albo. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on voit le level dans Rock ? C'est ton hôtel de ville que tu dois monter niveau 5. Aider à protéger la station. Aider les Rakis. Moi, j'aide les Rakis. On joue RP, là. Décidez de vous venger des Vénators et d'attaquer leur station avec les Rakis. Ils n'hésitent pas à accepter l'aide de la personne que les Vénators recherchent dans tous les systèmes. J'aimerais bien comprendre qui c'est, les Vénators. J'avoue que ça... ça. Et toi, tu vas aller réparer ça. Toi, tu vas aller réparer ça. Merci Zarumos pour ton deuxième mois. Heureux de vous soutenir avec Labo et merci pour tous les streams. Merci beaucoup Zarumos, c'est très gentil de ta part. Des gros bisous. J'espère que tu vas bien. Attendez, hop. Pourquoi on peut plus respirer ? Mais on peut respirer nulle part en fait, c'est ça qui est grave. Hein. Ok, ils sont où les quemés là ? Pourquoi je gagne pas le combat ? Mais il y a un moment... Il est là ! Il était caché ce gros con ! Il était caché ! Et là, regardez ! Non mais voilà, c'est ça que je comprends pas. Je pense que c'est un bug. Hein. Tiens bah Zarumos, du coup hop, je te rajoute dans l'équipage. Charlie Stormwood. Hop, t'es ici, regarde. Hop, Zarumos. Merci pour ton sub, merci beaucoup. Attendez, par contre, vraiment, je comprends pas. Brèche. Ah ouais, là, il y a une brèche dans la coque. Là, je comprends. Ouais, c'est bizarre. Hein. Salut, Philly. C'est bizarre. Hein. Charge explosive. Il pose une bombe dans le module. La bombe explose 3 secondes après avoir été posée, infligeant 32 dégâts aux unités ennemies, aux portes et au système dans le module. Les unités ennemies sont étourdies. Ça, c'est un actif, ça. Je prends la charge explosive. Ça a l'air galère à utiliser, mais pourquoi pas. Toi, tu vas prendre le boom. Attends, répare ça. Ah oui, non mais d'accord. Non mais voilà le problème. Mais voilà le problème, c'est qu'il faut qu'on se casse en fait.
Faut qu'on se casse. La base militaire Reraki porte le nom de l'amiral Reraki du clan de l'étoile bleue. C'était un grand guerrier et on dit que lorsqu'il était jeune, il a combattu avec des capitaines renommés d'autres races. Maintenant, la base militaire est un mélange de différents clans qui s'entretuent pour les ressources. Vous ne cédez pas à l'hystérie collective, c'est tout le contraire. Avec vous, les Rakis se sentent moins belliqueux. Vous décidez d'appliquer votre capacité inhabituelle et aller parler au chef des clans. D'un autre côté, il y a encore suffisamment d'endroits pour chercher des informations dans la base militaire. Retrouvez votre ancien compagnon, parlez aux artisans, parlez aux clans militaires, apprenez les nouvelles du front. Vous décidez de parler aux habitants et d'en apprendre davantage sur le déroulement de la guerre. Ils vous regardent comme si vous étiez fou et vous disent que les Rakis n'ont été en guerre avec personne depuis plusieurs décennies et qu'ils ne sont généralement pas considérés comme une race intelligente. Un des habitants, un Raki Venator, vous a dit de mettre votre fierté là où le soleil ne brille pas. Et de travailler pour... Attends, quoi? C'est quoi cette expression? Vous a dit de mettre votre fierté là où le soleil ne brille pas. Cela ne fait aucune différence qui ou où vous éliminez. Vous voulez que je troque mon honneur contre le joug d'un esclave humain? Comment osez-vous me suggérer à moi, le chef, une chose pareille? Je vais vous mettre en pièce! Furieux, vous attaquez le Venator Raki. Il ne s'attendait pas à une telle réaction et n'est pas prêt à se défendre. Très vite, vous prenez le dessus et vous vous apprêtez à l'assommer d'un seul coup. Finissez-le en beauté, finissez-le brutal. En beauté! Vous utilisez des trucs éprouvés en tant que chasseur, un mouvement brusque et vous décapitez votre adversaire. Le jaillissement du sang, le rugissement de la foule, tout le monde est ravi. Proposez au chef de travailler pour quelqu'un d'autre que sa patrie, comment ose-t-il y penser? J'ai lavé mon honneur là. Votre aventure est terminée et vous réalisez une chose très importante. Vous ne vous souvenez absolument pas de votre mission ni de la raison pour laquelle vous vous battez depuis des dizaines d'années. Heureusement, les archives du QG de Reraki répondront à toutes vos questions. Attends, mais il est complètement ravagé mon perso, genre il a zéro mémoire en fait. Cependant, il sera difficile d'y avoir accès. Leur système de sécurité est totalement incompréhensible. Il semble que les Terticrons ou, à tout hasard, les Etari y soient pour quelque chose. Comment le terminal d'archives s'ouvre-t-il? Frappez le terminal aussi fort que vous le pouvez, frappez le terminal deux fois plus fort que vous le pouvez, frappez le terminal doucement, présentez-vous au terminal comme le chasseur cosmique, alors frappez-le. Ah oui, c'est pas la race la plus intelligente de l'univers, hein, ça c'est sûr. Hein. Je vais le frapper doucement. Vous décidez de changer de tactique et de frapper le terminal en douceur. Les Rakis ont une idée particulière de ce que signifie « doucement », mais ça marche, et le terminal s'allume. Pourtant, un drone défensif s'approche de vous, prêt à se battre. Salut Kazan moins. J'ai perdu du moral. Ah, parce que j'ai frappé... J'ai pas frappé assez fort. Merci la petite agrume pour le follow, merci beaucoup. Là, ça peut durer très longtemps du coup. Attendez, faut que vous reveniez. Revenez. Je peux pas encore? Ils peuvent pas revenir. Oh, putain, tu vas mourir! Revenez! Ouh, Luta et Zarumos, mes deux viewers préférés. C'est horrible. C'est horrible ce qui vient de se passer là. C'est horrible. J'ai pas les mots. Salut Robinson. Salut Kazan moins. Je suis désolé. Ça, j'ai plus que deux Rakis. Ça, c'est pas bon ça. Ça, c'est vraiment pas bon. Mais du coup, faut qu'on le fume, lui. Tu veux l'explication de ce qui s'est passé? Ah non, je la connais. Je sais très bien ce qui s'est passé. C'est des drones, ces trucs-là. Donc du coup, ils ont pas d'oxygène. Peut-être qu'il faut te re-TP sur le vaisseau. Non. Vous fouillez les archives à la recherche de réponses, mais vous trouvez seulement plus de questions. Vous trouvez une liste de vos missions sous le nom de code symbiote. Le document vous met mal à l'aise. D'un autre côté, vous réalisez lentement que vous avez repris vos esprits à cause d'un signal. Vous n'êtes pas seul ici, mais vous êtes le seul chasseur cosmique qui soit rentré de la guerre. Ce serait une bonne idée de se diriger vers les dernières coordonnées de la quête du symbiote et d'entrer dans le vif du sujet. C'est parti. Tempête solaire. Ah ouais, non, flemme. Flemme.
Brèche dans la coque. Putain! Vous remarquez un astéroïde solitaire suspect. En fait, ce qu'il faut, c'est genre que j'augmente mes shields au maximum. Ah oui, j'ai que 10 de shield. Je comprends mieux. Putain, j'ai plein de notifications Rise of Kingdoms. 5 notifications Rise of Kingdoms. Ah, c'est tout? Ah, d'accord. Mais là, c'est des ennemis, quoi. Mais qu'est-ce que je vais faire d'eux? Je vais les vendre? Mais je peux pas les recruter, genre les corrompre et tout, leur dire bah recrutez, je vous recrute ou sinon je vous envoie dans l'espace en fait. Je pense qu'ils accepteraient. Hein. Moi en tout cas, je pense que je dirais oui parce que bon, finir dans l'espace. Salut Newa, merci pour la découverte de Trigon. J'ai commencé de mon côté, c'est vraiment très bon. Ah, c'est excellent, c'est trop bien. C'est trop bien en vrai. Oh merde, ils sont pas prêts. Vite! Vite, vite, vite! Hop là, c'est la bagarre! Je les ai ratios. Dans l'espace, on nous entend pas crier, c'est vrai ça. Récompense Harry. Oui, mais Harry. Lance-roquette. Oh, j'ai une arme. Ah non, mais j'avais même pas vu. Attends, mais j'ai des dingueries en fait. Ça, j'en veux pas. Ça, je prends. Attends, mais j'ai des dingueries avec WAM. Harry, tant pis. Ah, peut-être qu'il se vendait cher en vrai. Soot. Ah, je peux mettre que 2 armes. Énergie nécessaire, 2. Fais voir un peu là. Crusher MK. Fais voir un peu là. Je suis débile de faire ça. Je peux en équiper aucun des deux. Ah si, je peux équiper les deux. Ok, ok. Ok. Il me faut absolument une boutique là. Faut que j'aille dans une boutique. Niveau 5, done. Merci le citron confus. Merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui cliquent sur l'OP. Merci vraiment, 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 vraiment infiniment là. Comme ça, je pourrais acheter Dragonflight et jouer. Plusieurs hypersos plus tard, vous arrivez à un système avec une station de recherche Terticron. Mais ça a l'air terrifiant. La station ressemble à une créature vivante. Tout comme le vaisseau d'un vieux Raki. Un vaisseau Terticron s'approche de vous. Je suis le chasseur cosmique! J'exige une explication! Qu'est-ce que le grand esprit universel fait ici? Réponds-moi, tas de ferraille! Vous n'avez toujours pas reçu de réponse lorsque vous voyez le vaisseau préparer ses armes et se rapprocher. Préparez-vous au combat. Brèche dans la coque. Putain, mais j'ai encore une brèche dans la coque! C'est bon là! Ah ouais? Oh! Oh! Comment ça, pas d'oxygène? Ah, faut revenir là. Ah non, mais ils vont mourir les deux là. Mais comment ça, pas d'oxygène? Mais ils ont pas d'oxygène dans leur vaisseau! Non mais Ah, du coup Charlie Storm il est de retour. Bah du coup par honnêteté intellectuelle, je suis obligé de remettre Wood Lutin et Zarumos. Et en vrai il est pas évident le gameplay hein. Il est vraiment pas évident hein. Peut-être envoyer des gens c'est compliqué. Ouais mais c'est la méta de ce vaisseau en fait. T'as que deux armes, t'as pas plus de slot d'armes que ça. C'est des missiles, donc il faut que t'aies des missiles. Et puis c'est pas ouf quoi, enfin genre t'es obligé en fait. T'es obligé d'envahir. C'est comme ça qu'on joue les Rakis. Faut vérifier s'il y a de l'oxygène avant. Vous passez devant une station de recherche humaine, un scientifique de la station vous contacte et vous propose de fouiller des antiquités anciennes. Vous acceptez avec empressement et atterrissez sur la planète la plus proche. Creuser le nord, le sud, l'ouest ou l'est. Je creuse l'ouest. Décidez d'explorer l'ouest de la planète à la recherche de vieux bâtiments. A votre grande surprise, au cœur d'un désert, vous trouvez un ancien complexe de recherche. Il semble qu'ils étudiaient l'influence de la psionique sur l'esprit humain.
Vous prenez des technologies utiles et vous quittez la planète. Elles sont où les technologies utiles? Je les vois pas là. Hein. J'ai rien pris en fait. Je me suis fait avoir, je me suis niqué. Je me suis fait niquer là. C'était pas un peu déconseillé d'aborder, de tirer sur le vaisseau? Non, c'est bon. C'est bon parce que je joue en facile, du coup, à la fin, quand le vaisseau est détruit, je suis automatiquement TP dans mon vaisseau à moi. Je perds pas mes soldats, tu vois. Il faut juste que je tire pas là où il y a mes soldats. Salut, Robinson. Vous décidez d'atterrir sur la planète. Quelques minutes après votre arrivée, vous recevez un mystérieux signal. Cherchez la source. En errant parmi les débris, nanana. Ok, j'ai rien eu, juste pris de la ferraille un peu. Ferraille qui peut me permettre d'augmenter... En vrai, il faut absolument que j'augmente téléporteur. J'augmente le shield parce que... En fait, si j'augmente pas mon shield, c'est cringe. Faut que je puisse délaisser mon vaisseau et m'occuper essentiellement du fight avec les ennemis. Oh là là, les amis. Si vous avez une télé 4K, regardez notre univers sur Netflix. C'est Masterclass plus Ratio. Regardez notre univers sur Netflix, c'est incroyable. J'ai regardé le premier épisode hier avec la voix de Morgan Freeman, là. Une dinguerie. Une dinguerie. D'ailleurs, même si vous n'avez pas une télé 4K, je pense que c'est très beau en 1080p, mais bordel, la dinguerie sur une télé OLED, ça doit être incroyable. Aider les Etari ou aider les humains? Je vais aider les humains. Ah, ils ont tous perdu un peu de vie. Mais j'ai gagné un découpeur laser. Allez tous vous heal. Netflix affiche en 1080p. Ah ouais, pas moi. Ah ouais, non, moi ils affichent en 4K. Hein. C'est parce que t'as l'abonnement en 1080p. Ah oui, parce que j'ai pas le jus qu'il faut là. Je vais sauvegarder l'emplacement actuel de très beau docu, je confie. Ah non, il est incroyable. Les effets spéciaux qu'ils ont fait, en fait ils ont réussi, enfin ils ont imaginé, ou alors grâce à des calculs ou je sais pas quoi, ils ont imaginé par exemple la formation du soleil et des quemées ou des meufeux hyper forts et fortes en effets spéciaux, on reproduit ça en fait. Et du coup, tu te prends ça dans la gueule et t'es en mode... Et c'est trop beau. Apportez votre aide, signal SOS. En vrai, il faut que j'aide mes samaritains. Je n'aidais pas les samaritains sur la run d'avant et regardez comment ça s'est terminé. Le docu s'appelle Notre Univers. Sur Netflix. C'est... je crois que c'est la même équipe de prod que... C'est la même équipe de prod que... Comment ça s'appelle? Que Notre Planète, quoi. C'est tout, y'avait rien d'autre. Et je dois aller où maintenant? À droite. Bah pour une fois que ça nous mène à droite. Après quand il y a les animaux ça fait chialer, ça c'est vrai. Notre planète, j'ai chialé trop de fois. Ils font que tuer les animaux et tout. Horrible. C'est la loi de la vie, hein, et de la nature et tout, mais c'est triste quand même. Hein. Mener une opération d'assaut secrète sur la station. J'ai recruté Julia. Salut Julia, viens là. En vrai, je vais leur mettre de la vie en plus à tous, là. Armure de chitine. Ok. Vas-y, si, prends l'armure de chitine. Toi, tu vas prendre dégâts augmentés et toi, santé augmentée. Voilà. Là, on est bien, là. Là, on est bien. Il faut exprès de les tuer pour la caméra, d'ailleurs. Mais ça, je le savais. Hein. Salut, brisé. Ça, je le savais. Hein. Tout pour le clic en fait. Acceptez le signal. Alerte Amber. Ok. Moi je prends les quêtes. Hein. Oh, vas-y, c'est de l'autre côté. En vrai, rien ne nous en empêche d'y aller. Hein. Et on ira, je pense. Partager le butin équitablement. Ouais. Ouais, vas-y, équitablement. Salut JB Costa. Ok.
En arrivant dans le système des morceaux d'astéroïdes machin, c'est un USG, on connaît la chanson, moi je les fume, tu vas voir. Tu vas voir, on TP ici. Là ils ont de l'oxygène là-dedans. Ah merci. Faut les ratios là. C'est l'heure du ratio. Ah ils envoient toute leur unité là. Je peux tirer où pour être intéressant pour WAM. L'infirmerie. Oh je les ai fumés. Alors. Donc là j'ai Sarah à la cryogénisation. Genre j'ai récupéré. Voilà. Et je peux rien faire avec par contre. Mais du coup si j'améliore la cryogénisation il se passe quoi? Permet de geler des unités afin d'épargner les ressources des vaisseaux et de retenir des captifs. Les améliorations vous permettront d'avoir plus d'unités. Mais je comprends pas l'intérêt en fait. Je comprends vraiment pas l'intérêt. On sait pas. Ouais, je sais. Je vous ai pas posé la question de toute façon. De toute façon, moi je m'en fous, hein. Mais je pense que mon FOMO est trop intense par rapport à WoW. C'est le FOMO aussi qui me rend comme ça par rapport à WoW. Donc du coup malgré ça, il va falloir que je trouve un moyen. Hop, là je save. Et je me casse. Vas-y, j'ai envie d'aller faire la quête secondaire en premier. Je pense que c'est worse. Ou alors je fais ça et après je passe par l'intérieur des galaxies ou je sais pas quoi. Ah mais il y a ça aussi. Oh. Meilleur moyen de pas backseat, ne pas connaître le jeu et ne pas écouter le streamer. Je suis extrêmement vexé là. Présentement vexé. Étonnamment, ce qui me soigne du FOMO, c'est justement de rater trop de trucs pendant un moment. Oui, c'est la raison pour laquelle je bois du poison depuis 2 ans et demi là. Tous les jours un peu là. J'ai offert un pot de vin, mais j'ai pas lu. Bienvenue les réfugiés, bien sûr. Alors, fais voir un peu ce qu'il y a à vendre et à acheter là. Tac, tac, tac. Moi, je vais te vendre ça. Et je vais lui acheter. Il a rien à acheter d'intéressant. Par contre, là où ça pourrait être intéressant, c'est d'augmenter. Ça coûte pas trop cher en vrai. Téléporteur. En vrai, j'augmente le téléporteur au moins une fois. Et je peux rajouter 10% d'esquive. Ouais. En vrai, je fais ça, je pense. Hein. Je pense que je fais ce que je fais, là. Après, ça sert à rien parce que j'ai pas assez de jus. Je vais plutôt faire ça. Ça m'a l'air pas mal. Mais du coup, je peux pas vendre les quemés. Ah, si. Je fais quoi, là? Cabine cryogénique. Vendre. Moins 1,6. Ah ouais, ça m'enlève de la prime. C'est de la merde. C'est trop nul. Putain, la cryogénisation, c'est nul. C'est nul. Oh, je suis trop déçu. Oh, je... Je suis déçu. Je m'attendais à un truc bien. Un vaisseau humain est resté coincé dans le système. Leur capitaine vous appelle et demande votre aide. Au secours, s'il vous plaît, faites-moi sortir d'ici. L'IA de notre vaisseau est devenue folle et m'a enfermé là. Mes compagnons de bord sont déjà morts. Je vous en supplie, au secours. J'embarque dans son vaisseau. Vous montez à bord du vaisseau si rapidement que le système de défense n'a pas la possibilité de vous blesser. Vous ou votre équipage. Lorsque vous éteignez le système, le dernier survivant vous remercie et vous demande de l'emmener avec vous. Bienvenue. Oh là là, on a recruté un Kemé. Il est ingénieur. Lui, c'est un réparateur survolté alors. Trop bien. Par contre, on a plus de bouffe. Ah oui, on a plus de bouffe. On a plus la nourriture là. Ah, on a plus de bouffe.
Ok, on va trouver de la bouffe. Ayez confiance en votre capitaine véreux. Volez plus près, apprenez les détails. Acceptez, transportez le prisonnier. Attaquez la planète prison. J'attaque la planète prison. Vous avez perdu la tête ? Attaquez une planète prison protégée par des Vénators ? Vous avez le courage ? Équipage, nous nous dirigeons vers une trajectoire d'interception. Attends, je suis peut-être en train de faire une connerie là. Donc eux là, eux, ils ont pas de... Ils ont pas d'oxygène. Ah, je crois. Faut pas que je les attaque quoi. Ah si, il y a de l'oxygène, il y a ça. Ça veut dire qu'ils en ont. Attends, mais je me fais bolos là. Là, il y a de l'oxygène. Ok, parfait. Vas-y, bah on ratio là. Attaquer une prison, c'est le début de Callisto Protocol. Trop envie de faire le jeu. Ils m'ont pas rep. Ils m'ont pas rep Kim Miller. Kim Mailer. Ils m'ont pas rep. J'ai pas le jeu. Ok, a lâché une bombe là. Hein. Par contre, c'est véritablement broken de jouer l'abordage en vrai. C'est moi, désolé, j'ai mangé des flageolets. Putain, trop bon les flageolets. Les flageolets avec un petit gigot d'agneau là. Donc là, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a recruté Maria et 62, 50, 32 là? Maria, elle est quoi? Putain, mais mais t'as vu la taille de mon équipage? C'est quoi cette histoire? J'ai cryogénisé, hein. J'ai cryogénisé quelqu'un, là, c'est pas possible. Hein. Lui, il bouffe pas, lui. Lui, à la limite, je le garde. Hein. Ok, ok. Alors, attendez. Du coup, toi, tu vas là. Vas-y, bah, on va se créer une nouvelle armée, hein. C'est pas grave. Maria, t'es qui? Maria, elle est forte en opératrice d'hyperpropulsion. Donc, non, non, toi, tu vas là-bas. Maria, tu vas là. Toi, toi, t'es pilote, tu vas là. Mais on a déjà un pilote, c'est Julia. Oh là là. Et toi, Megavolt? Attends, mais il faut le bouffer, lui. Tu vas là. J'ai plus que 5 de bouffe. Le moteur est en panne. Mais démettez-le en panne. Putain, mais lui, il sert à quoi, lui? Électricien L2. Ok. Maîtrise de combat. Let's go. Concasseur, sniper. Concasseur. Merci beaucoup, Faz, pour ton prime. Merci, merci énormément. Et regarde, tu rejoins l'équipage. Direct. Hop. Tu es là. Félicitations. Bienvenue dans l'équipage. Bienvenue à bord. Que d'honneur. Ah bah attends, ici, on régale. Il y a une bataille en cours dans le système. Soudain, vous êtes attaqué par un vaisseau inconnu. Préparez-vous à l'action. Et là, moi, je TP direct ici. Du coup, là, j'ai pu en TP que deux parce que c'est des petites salles de deux. Ah, habile. Très intelligent. Du coup, dans 5 secondes, je vais pouvoir TP ailleurs. Je vais pouvoir en TP d'autres, je veux dire. Continuer la bataille. Non, 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 moi on m'attaque. Vivement qu'on m'abandonne dans une soute. C'est bon, ils sont morts. Tourelle IEM légère, déverrouillée. Le vaisseau est détruit, vous êtes content de vous? Bah, je suis content de moi. Je crois que j'avais perdu quelqu'un. Très bien qu'au retour, il soit TP directement là où j'aimerais qu'il soit TP en fait. C'est-à-dire l'infirmerie. Pour réparer les queutrues là. Ok. Ces deux là, vous allez là-bas. Et là tout le monde perd de la vie à cause du fait que... On n'a pas de bouffe hein. Ah si, on a de la bouffe. Provision consommée à chaque tour, 18. Ah. Ça c'est problématique ça. Ça c'est très très problématique.
On rename le jeu de phase. Comment ça on re... Attends quoi? Membre de l'équipage Terticon, faites les réparations, faites le plein et s'envoler. Oh là là, j'ai fait le plein, je me suis envolé. Bisous! Bisous, je m'envole! Et merci pour le clic! Merci beaucoup, regardez, ça clique là! Ça clique! J'aurais aimé l'hypothèse de bouffer mégavolt. Bon, je peux congeler mégavolt déjà. Hein. Merci encore pour le clic. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, faut que j'augmente... Faut que j'augmente mes shields. Ils prennent full XP par contre en combat là. Hein. Détruisez le vaisseau ennemi. Cavise. C'est... D'accord. Je m'en fous. Hein. Moi je m'en fous. Hein. Pas besoin de vous. Je sais pas si je peux grailler quelqu'un. Par contre ce que je peux faire je pense c'est... Ah non, je pensais que je pouvais placer quelqu'un en cryogénisation, mais tout est déjà pris là. Tout est déjà pris. Ça heal pas assez vite, hein. Franchement, c'est dommage. Et toi, t'as plus de vie, mégavolt. C'est bon ? Ok. Attends, what? What? À lui tout seul, il... Il charge 4? Mais c'est broken. Mégavolt, il est trop fort, en fait. Ingénieur. Il est beaucoup trop fort. Mais c'est incroyable, hein. Ok, faut pas bouffer mégavolt. Ah bah là, s'il faut bouffer quelqu'un, c'est pas lui, ça c'est sûr. Hein. Il est beaucoup trop broken. Hein. Où est-ce qu'on va? Bah direct les armes. Hein. Regardez-le! Ah non, reste là, toi, sinon on a plus d'armes. Oh la bagarre, oh, c'est full bagarre. Ah mais c'est la même race que nous. On est contre la même race que nous là. Attends, prends un level. Prends ton level. Je peux pas. J'ai gagné. Contre toute attente. Déverrouiller Kraken. Oh j'ai déverrouillé un nouveau vaisseau. Oh trop bien. Ok, allez là-bas. Ok. Il y a des levels qui se perdent. Charge explosive, let's go. Toi tu vas prendre boom. Et toi, tu vas prendre maître en combat rapproché. Neuromachine. Les structures semi-organiques permettent aux Terticrons de soigner les blessures à l'aide de nanomachines produites dans leur propre corps. Je vois, ils s'auto-heal, quoi. C'est incroyable. Il est en train de s'auto-heal. Bah, félicitations. Juste bravo, en fait. Et maintenant, faut que je trouve des endroits où il y a assez de bouffe. Parce que je perds quand même moins 8 à chaque fois. C'est beaucoup. Hein. C'est quand même beaucoup. Alors que dans Rise of Kingdoms... Sauver les jeunes Rakis. Putain, mais... J'ai pas d'opérateur de bouclier. Oh non, Faz, il a glissé sur une merguez, il est tombé dans l'espace intersidéral. Oh non!
Salut Sven. C'est trop bête. C'est trop bête. Salut Tepanax, il s'est passé quoi? Rien? Un des ambassadeurs, il arrive, vous salue. Il vous demande de délivrer un message important à l'ambassadeur dans le prochain secteur. J'accepte. J'accepte car je suis... Samaritain. Bonjour Samaritain. Il y avait un trou dans la coque et il a été aspiré dans le vide. C'est trop dommage. C'est trop triste. Essayez d'aider les esclaves à s'échapper. Pardon. Ouf. J'ai pris cher là dans la coque. Parce que je suis un coq. Pourquoi il n'y a plus d'oxygène? Et voilà. Et voilà, il y a une brèche. Faut réparer la brèche par contre. Hein. Genre, ça va pas se faire tout seul. Hein. Et lui, il est quoi déjà? Opérateur de bouclier. Attends, il y a un autre trou? Ça répare. Ça répare fort là. Toi, t'es opérateur de bouclier, tu vas là-bas. C'est broken ce qui est en train de se passer. Il y a des burgers. Mais attends, mais comment ça, je vais pas prendre les burgers? Ils me connaissent mal, hein. Moi, je prends les burgers, moi, en fait. Je vais virer quoi? Faut que j'augmente la taille de la soute. Missile longbow. Moi je prends les burgers. Gestion. Taille de la soute. J'ai agrandi la taille de ma soute. Ok. Bon, les fighters, on se remet là-bas. Maria, t'étais où? T'étais là, je crois. Je sais plus. Maria, opérateur d'hyperpropulsion, c'est ça. Zarumos, tu reviens ici. Et là, on va save. L'emplacement des persos, parce que là, on est bien, là. On est très, très bien. Et lui, il est quoi, déjà? Opérateur de bouclier, c'est très bien. C'est une très bonne nouvelle. Mais attends, mais je devais pas aller... Je devais pas aller remettre un message ou je sais pas quoi? Non, c'est bizarre. J'espère que Megavolt va passer par la soute. Ah oui, je voulais rename un autre pour te redonner un... Je voulais te redonner un personnage. Parce que je trouvais que ça se faisait pas pour toi. Vas-y, tu vas voir. Regarde. Regarde. Là, je suis pas prêt de te sacrifier, là. Je t'ai mis Megavolt. Là, t'es pas prêt à te sacrifier. Ah, j'ai 384 de ferraille quand même. Hein. J'aurais peut-être dû utiliser un peu. J'aurais peut-être dû. Hop là! Y a plus d'armes! C'est broken d'arriver directement aux armes. Non! Il est mort en 2-2? Quoi? Mais ça va pas ou quoi? Vous êtes des oufs! C'est des oufs! Level 70, wow. Bah GG. Bah juste GG en fait. Moi juste en train de chialer là. Pourquoi je peux pas rentrer chez WAM? Pourquoi je peux pas rentrer chez WAM? Mais il rentre chez WAT! Mais c'est un truc de ouf! Mais...
Je suis pas trop fait pour ce gameplay, je pense. Là, ils sont en train de mourir, là. Pourquoi tu casses pas son vaisseau? Parce que je pense que je vais repartir avec. Parce que le mien, il est un peu abîmé, là. Je peux refermer les portes de mon chewam ou pas? Déjà, une bonne chose de faite. Maintenant. Je peux pas fermer les portes là. Oh, Tiam ! Qui contrôle les robots ? Les robots de quel robot ? De quel robot on parle là ? Ah, il faut réparer là. Ok. Ça répare là? Ah, ça met du temps. Eh oui. Eh, on a survécu ou quoi? Bon, il y en a 4 qui sont morts. Il y a Faz qui est mort. Il y a 62-52-00 et Maria et Enacrix. Mais en vrai, sinon, tout le monde est en vie, quoi. Alors, World Test Level Up, c'est marrant, mais c'est pas un drone qui a tout détruit chez WAM. Hein. Chapeau. C'est des Rakis, en fait. J'étais contre des Rakis. En fait. Chapeau. Donc, déjà, t'essaies de me backseat. Déjà, t'essaies de me dire comment je dois jouer. Et en plus, tu dis de la merde. En plus. Je porte la poisse peut-être. Mais j'ai trop le seum. J'essaie d'aider. Oui, ben... Non, mais j'ai trop le seum. En fait, au-delà du fait d'avoir perdu Faz, mon viewer préféré... Dans la bataille, j'ai surtout perdu le level 2 mécanicien qui met 4 de charge dans le module dans lequel il est, quoi. Surtout ça qui m'embête. Je devais vraiment être tout à fait honnête avec vous. Pourquoi j'ai des persos qui... Pourquoi ils disparaissent? Attends, what the fuck? Pourquoi ils disparaissent quand ils vont là? Attends, mais ils sont où mes autres persos, là? Attends, quoi? Pourquoi je vois Rin? Attends, mais quoi? C'est bizarre là ce qui se passe là. Toi va te heal, t'es chelou. T'es bizarre en vrai, t'es suspect. C'est quoi ça? Attends, mais pourquoi je peux pas fermer la porte sur... Je peux pas fermer la porte sur un cadavre. C'est quoi cette affaire? C'est bon, tout le monde est heal. On peut remettre du jus un peu là partout. Perdre un monde d'équipage est toujours triste. Ça dépend qui. Et là il nous manque un quemé là. C'est incroyable. Mais c'est bizarre en vrai. Pourquoi je les vois plus quand ils sont partis là? Alors attendez, qu'est-ce que je pourrais augmenter qui pourrait être intéressant? Énergie, ça c'est sûr. Bouclier. Téléporteur, en vrai, c'est intéressant. Et puis, les sous-systèmes pour les portes renforcées, ça peut être cool quand je me fais envahir. Ça fait plaisir, là. Là, vraiment, ça fait plaisir. Je suis prêt à me battre s'il y a quelqu'un qui arrive. Il y a personne qui arrive, c'est bien, tout va bien. Aïe, aïe, aïe. Et c'est dur, hein. C'est dur de ouf. C'est vraiment dur, hein. Upgrade le TP et intègre la fonction retour. Mais la fonction retour, normalement, elle existe, tu vois. C'est juste que j'arrive pas à l'utiliser, en fait. Je n'arrive pas. Bah, on va se pencher sur la question en balle, mais... Pourquoi toi, t'as perdu de la vie? À quel moment t'as perdu de la... Mais quel moment vous avez perdu de la vie, en fait?
Ah, c'est parce que j'ai pas assez de bouffe, mais même pas. Ok. J'ai encore pris des quemés à cryogéniser, mais vous croyez que... Je comprends pas comment j'arrive à les ratios aussi vite par contre. Salut Gugli. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que parfois il meurt aussi rapidement quoi. C'est bizarre. C'est bizarre. Bizarre l'ambiance. Ah oui, je voulais réparer mon vaisseau parce que ça je peux ça. Ça je peux. Moins 144. Oh non, non, est-ce qu'on a vraiment besoin de réparer le vaisseau, je pense. Quoi ? Annule, annule, annule ! Un jour est passé, bien sûr. Les Vénateurs sont juste derrière vous. Oh non, mais c'est bon ! Arrêtez, là, maintenant. J'abandonne le navire. Ils ont plus rien. Il se casse là. J'ai cru qu'il allait se barrer avec mes soldats là. T'aurais fait le tuto, t'aurais eu cette explication. Trop facile le tuto en vrai. Missile antipersonnel. C'est quand tu détestes devenir intime avec les gens. Là, va falloir m'expliquer pourquoi. Pourquoi cette porte est ouverte en fait. C'est dingo. C'est dingo, c'est dingo. Discours passionné. Le moral des unités du vaisseau augmente immédiatement de 0,5. Deux points de provision sont consommés. C'est nul. Ok, revenez là. On est en mode no... En fait, ça marche comme ça. Se téléporter vers le vaisseau ennemi. Se téléporter vers votre vaisseau. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Je vais réessayer. Il faut que j'y arrive parce que... Sinon c'est terrible en fait. Je peux pas éternellement souffrir. Vous entrez dans le système et êtes contacté par les mineurs d'une station minière locale. Ils ont été attaqués par des créatures inconnues vivant dans les astéroïdes. Les mineurs vous supplient de les sauver. Prenez votre fidèle fusil, amarrez-vous à la station, téléportez les mineurs vers votre vaisseau et armez-les avec vos armes. Bon, très bien ça. Ils ont réparé mon vaisseau, ils ont amélioré l'hyperpropulsion. Moi je suis content, c'est un bon deal hein. Mon équipage qui est pas bien éduqué, ils ont pas appris à fermer les portes. Ouais. C'est pas eux qui payent le chauffage. Hein. Détruisez le vaisseau pirate. Bonjour touriste, écoutez, voilà le deal. Nous avons besoin que vous alliez rapidement quelque part pour livrer les informations. Ces fichus vénateurs balayent tous les fichus répéteurs. Aidez-nous, voulez-vous? Nous ferons en sorte que cela en vaille la peine. Vas-y, je vais aider les pirates. J'ai envie d'être sympa là. C'est là-bas? Ok. Vas-y, bah je vais faire un boss là. On va probablement se faire ratio, mais bon. Mais bon. Ils ont cassé mon... Les chacals. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font là? Eh oui! Incroyable, j'ai la strat là. Là, j'ai la strat de la win. C'est fini pour eux. Attends. J'ai 286 encore. En vrai, j'ai envie d'augmenter le téléporteur au maximum. Hein. Reste des passes dans le téléporteur. Je crois que la strat elle est exceptionnelle. J'arrive, ils ont plus d'armes. Ils ont plus d'armes, j'ai plus qu'à les tuer. Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas ce qu'il fait, je comprends pas. C'est vrai qu'il a peur. Trop
trop bien cette strat, pas de destruction de vaisseau, égale recyclage, égale écolo. Et surtout, normalement, on gagne beaucoup plus de ressources. Mais ça reste à prouver encore. J'ai pas le sentiment de gagner des ressources en masse par rapport aux autres games. En fait, avoir 4 comme ça, c'est parfait. Il me faudrait un ou deux, genre un pilote et un au shield, par exemple. Pour aller là. Ah bon. Je me suis un peu trompé là. Sur FTL, c'est le Stonks, l'équipage invasion. Jamais fait sur FTL. Là, pour le coup, je trouve que le gameplay est hyper intéressant. Le gameplay envahissage. De toute façon, en fait, le jeu est plus agréable overall par rapport à FTL. Il est moins lunette, quoi. SOS de Raki, profiter des combats. Ça aurait pas être acquis, les combats sans règles sont comme une fête nationale. Profiter des combats traditionnels, parcourir les ateliers professionnels. Profite des combats. Hein. J'ai gagné du moral et d'expérience, très bien. Et là, de toute façon, ils augmentent plus de niveau, mes persos. Ouais, c'est bon. Ils sont au niveau max. FTL, c'est un peu austère. Bah, ça a 10 ans, quoi. Salut, Shinchara. Ça a 10 ans. Vous rencontrez un vaisseau Raki sur lequel voyage l'un des anciens Warlords. Quelle belle occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et de frimer. Combattre le Warlord. Demander conseil, l'affronter en duel. Vas-y, je l'affronte. Les marchands doivent savoir se défendre. Seuls les Rakis qui peuvent se défendre n'importe où dans l'espace sont destinés à devenir des marchands. Oui. Et donc Et donc, j'ai gagné ou j'ai perdu? Parlons de savoir. FTL sur tout l'OST qui est incroyable. Ouais, ça donne beaucoup de profondeur le micromanagement des invasions, ouais, c'est vrai. Mais là c'est parce qu'on est en facile, mais normalement si t'es en moyen ou difficile, si l'adversaire TP ou si le vaisseau est détruit, tu perds tes personnages qui sont là-bas. Hein. Je suis millionnaire, dites-nous aux informations. Donc là on joue vraiment en facile, mais quand on aura fait toutes les campagnes en facile, on les refera en normal dans le même sens, et puis si on est réussi en normal, on les fera en difficile. Et là, je pense que ce sera vraiment toute une autre histoire, quoi. Merci beaucoup, David Zimmer, pour ton 3e mois. 6e mois, même. Incroyable. 6 mois. Merci, David Zimmer. Est-ce qu'il y a de la place dans l'équipage pour toi? Pas encore, mais bientôt, je te mets dans l'équipage. Il y a des humains dans le jeu, ouais. Tu peux être humain, Rakis, Etari, et Terticron, là. Je crois qu'il n'y a que 4 races pour le moment. Mais vu que l'OST d'FTL est bien supérieur... Arrivera un moment où limite je mettrai l'OST de FTL en fond et on jouera à ce jeu. Rien ne nous en empêche. Je vais aller au shop, parce que j'ai quand même 3700 balles. Hein. En difficile, faut pas le perdre, mégavolt, enfin phase, sinon tu casses le clavier. Je pense que tu... Ouais, je pense que t'es pas très content, quoi. Ok, station, commerce. Fais voir le chantier naval, ça coûte combien de me réparer? Pas cher. Pas cher. Je vais prendre du shield. Je vais en prendre 2. Ok, commerce. Je peux vendre le rayon vortex. Tourelle blaster. Il a l'air bien le rayon vortex quand même. Hein. Mais en vrai... 3460, je le vends. Je le vends. Nick, mais j'ai trop besoin de ressources là. En vrai, pour l'instant, on est largement ok. On n'a pas besoin d'armes. Il fait quoi le rayon vortex? Il fait un laser qui découpe. Et les lasers sont broken dans le jeu. Capteur, vous obtenez ici des informations. Oh, ça faut le prendre, ça. Ça c'est broken le capteur. Mais oui, faut grave le prendre, ça. C'est trop bien. Je l'ai pris sur ma partie libre pour voir et c'était trop cool. C'était vraiment trop bien.
Là, à la limite, je pourrais recruter. Oh, il y a un ingénieur. Oh là là, les ingénieurs. Bah, ça, l'ingénieur, c'est Megavolt. Merci Trad56 pour le follow. Merci beaucoup, bienvenue. Prendre un pilote qui est aussi un Rakis. Le Rakis, il mange beaucoup, wesh. Et c'est bon. Et c'est bon, moi, j'ai pas à manger pour tout le monde, là. Hein. Enfin, si. Enfin, maintenant, j'ai. J'ai besoin de... J'ai pas besoin de carburant. Vas-y, j'accepte. J'accepte le deal. Le deal me convient. Le deal me convient, mais genre parfaitement, là. Agis, les gloutons. Ok, ok. Théma. Théma de tout ce que j'ai. J'ai 70 de shield maintenant. En vrai, oui. Hein. Non, mais oui. Oui. Et c'est quoi, c'est quoi d'autre que j'ai fait? J'ai fait d'autres améliorations, non? Non, c'est tout. Il me semblait que j'avais fait deux améliorations. Ah oui, 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 j'ai acheté les capteurs, les capteurs. Ils sont les capteurs, ils sont là les capteurs. Ok, les capteurs, c'est trop bien. Vous allez voir pourquoi c'est trop bien. Ça, j'accepte. Un jour est passé, y a pas de souci. Repasse un jour là pour voir si tu veux. Y a pas de problème. Ok, maintenant que j'ai les capteurs, en fait, je vois l'intérieur de mon vaisseau. Je vois les parties qui étaient jadis ombragées dans le vaisseau, je les vois en pleine lumière maintenant. Et ça va être pareil pour les vaisseaux adversaires. Et ça, c'est vraiment cool. Surtout quand on joue CAC, je pense. Vas-y, on va aller se battre là. Il coûte un bras l'ingénieur. En vrai, ça va 1000 balles. Hein. Ok, donc là, typiquement... J'apprends qu'ils ont, ils ont pas d'O2 là. Hein. Hop là. On les ratio là. Mais attends, mais j'ai pas compris pourquoi il est marqué qu'ils avaient pas d'O2 alors qu'en fait ils en avaient. Non mais l'équipage des 4 baroudeurs là, c'est l'assurance tout risque. Incroyable. Hein. Genre vraiment littéralement on laisse le vaisseau cul nu en fait. Ah, ça commence à coûter cher de rajouter des barres d'énergie. La miniature YouTube avait raison sur ce jeu, ça a l'air top. Il est trop trop bien le jeu, David. Hein. Il est vraiment trop cool. Hein. Merci de remarquer le travail sempiternel des miniatures YouTube, parce qu'en vrai, je prends un peu de temps pour les faire bien comme il faut, quoi. Vous passez devant un petit vaisseau civil. Un étari à l'allure aristocrate vous salue et se présente comme un artiste. Pour une raison quelconque, l'étari vous perçoit comme un vieux chien de l'espace. Alors il vous demande quoi dessiner. Comment ça, il me voit comme un vieux chien de l'espace? Racontez-lui une histoire inspirante. C'est vraiment un univers safe. Ah, tout à l'heure, je suis allé à la boulangerie pour acheter mon petit éclair à la vanille, là. Et j'ai garé mon vélo, je l'ai même pas attaché. Je suis un malade ou quoi? C'est un compliment pour les rakis, chien de l'espace, peut-être, ouais. Un fuckboy de l'espace. Merci Edinab pour le troisième mois, merci beaucoup. Merci énormément. Faut que je vous rajoute David et Edinab dans l'équipage, du coup. Je vais le faire, je vous jure. Éclair à la vanille, bah c'est incroyable. Hein. J'avais jamais goûté, j'avais vu mais jamais goûté. Masterclass. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Je sais pas si j'ai... Je sais pas si mes personnages ils prennent des dégâts avec ça là. Je sais pas s'ils prennent des dégâts avec leur bombe. J'espère pas. C'est quoi qui est cassé là? Pourquoi j'entends des bruits de trucs cassés?
On va se frotter à un boss. En se frottant au boss, de toute façon qu'on saura si vraiment notre build il est viable ou non. Tu sais quoi, je vais même me TP dans leur salle de TP pour bien les empêcher de TP chez WAM. Je ferai pas l'erreur deux fois. Vous avez vu la rapidité à laquelle on fume les portes? C'est pour ça hier qu'on a perdu quand on s'est fait attaquer et que... Et qu'ils ont fumé mes portes. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, peut-être il active des passifs en fait. Enfin, il active des... Qu'on va perdre. Est-ce qu'on va perdre des soldats? Non! On a perdu personne! Incroyable! Oh, le micro-management! Mais on aurait dit un joueur pro de Age of Empires. Incroyable en vrai. Vous avez assisté à une dinguerie là. J'ai un peu serré les fesses par contre, je dois être tout à fait honnête avec vous. Faut que je trouve un moyen. En fait, les Rakis, c'est mon counter en fait. C'est juste mon counter, les Rakis. Pour StarCraft. Et voilà, j'ai envie de réinstaller StarCraft. Il y avait un véritable intérêt au fait qu'ils avaient sorti 3 StarCraft 2. Je me rappelle de ça. Dinguerie qu'ils aient fait ça en vrai. J'ai fait que la clap des fesses quand même. Ouais, pareil. Hein. La thune, ah oui. C'est vrai. On a un peu d'argent. Ah, en fait, je crois que c'est surtout sur l'argent qu'on se met bien quand on pile. Ah, mais non, en fait, c'est surtout. Je fais pas attention, mais j'ai jamais besoin. Je suis jamais en rate de quoi que ce soit. De fait. Batterie ionique lourde. Attends, on avait pas vu un shop? Y'a plus de shop. Y'avait un shop. Un Venator vous contacte, il se présente comme un agent local du nouveau règne et vous demande de l'aide. Et envoyez une surprise. Il vous offre, pardon, un paiement en échange de quelques informations ainsi que sa loyauté. C'est comme négocier avec le diable. Donnez-lui les informations sur vos voyages, dites-lui d'aller se faire voir ailleurs. Je lui dis d'aller se faire foutre, hein. Du coup, il veut se battre, bah je vais le fumer, c'est pas grave, hein. Salut! Il a rien fait. Il s'est laissé crever quoi. Les campagnes étaient stylées. Ah, les campagnes de StarCraft 2 étaient incroyables. Ça c'est bien réel ça. En voilà une chose bien réelle. Jamais joué à StarCraft ou à AOE de ma vie. AOE c'est quand même masterclass. Hein. Et le 4 il est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Moi je le trouve incroyable. C'est quoi ça, drone défensif? Ah, on s'en fout en fait. On s'en fout en fait des drones. Moi je m'en fous en tout cas. En tout cas moi, si je dois vraiment être honnête, je m'en bats les couilles. Voilà. C'est la run ratio. Attends un peu. Parce que souvent il y a un gap sur Trigon qui est assez énervé, genre au bout d'un moment tu te trouves dans une situation où d'un coup pff, tu te fais lessiver l'oignon quoi. Et bon là j'ai beaucoup d'argent. On va vendre ça. On va vendre ça, ça. Ça on garde, ça on vend. Ça on vend, ça on vend. Ok. J'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre, hein. J'ai pas besoin d'acheter de bouffe.
Chantier naval. J'ai un peu d'argent là, j'ai 6482. Bah, l'occasion rêvée. Ouais hein. Alors peut-être pas autant de fait. C'est pas mal ce que je viens de faire là, je pense. Fais voir un peu. Je peux mettre un jus là, deux jus là. Et après, je mettrai des jus dans l'hyperpropulsion et on pourra vesqui tout ce qui se frotte à nous, là. Qui s'y frotte, c'est frites. Moi, en gros Yankee, j'ai ma collector SC2 que j'avais fait dédicacer par un des devs, Dustin Browder, à la Fnac des Champs. Incroyable, ça. Ça donnait pas envie de se voir... Bah, personnellement, moi, je joue jamais en multi au STR parce que je trouve ça beaucoup trop stressant. J'aime bien faire du building et tout, avoir mes petits trucs, mes petits machins. Les campagnes sont très cool en plus dans les STR souvent. Du coup, genre, c'est plus l'expérience solo que je recommanderais à faire dans les STR et notamment Age of Mythology et Age of Empires, surtout le dernier, qui en plus de ça, dans ses campagnes, rajoute des mini documentaires historiques qui sont vraiment intéressants, super bien réalisés et trop cool quoi. Rien que pour ça, ça vaut limite le coup de se l'acheter. Après, le jeu il est dans le Game Pass. Vive le Game Pass. Hashtag ad. Vous attaquez les cendres de notre mère. J'attaque la colonie. Hein. Moi j'attaque tout, on joue RP là. Aïe aïe aïe. Oh, on a vraiment un build broken là. Mais là typiquement si on était en difficile, je pourrais pas faire ça parce qu'il faudrait que je me TP back. Avant que le navire ennemi soit terminé, en fait. Ce serait, genre, tellement difficile. Rester par nos invités, aider à organiser l'opéra. Ouais, je sais pas trop ce que je fais, là. Je rajoute pas de compagnons. J'ai pas eu l'opportunité. En vrai, là, on est bien, là. On est bien entre nous. Je pense pas parce que tu détruis pas leur vaisseau, juste tu butes tout le monde, c'est vrai. Ce qui entre guillemets laisse le temps après de rentrer chez soi quoi. Pourquoi tu penses que tu dois pas TP back? Parce que je partais du principe que le... Comment on appelle ça? Je partais du principe en fait que le vaisseau était détruit du coup. Alors qu'en fait non, il est pas détruit. C'est les gens dedans qui sont détruits. S'ils veulent là. Qu'est-ce que vous me voulez? Ouais, j'accepte. Le flemme de me battre là. Surtout pour aller pour récupérer trois fois rien là. Il veut pas y aller. Ah c'est bon. Bizarre un peu. Bizarre ce qu'ils ont fait. On se rend, c'est les abordeurs fous. On va se renommer comme ça. Alors pour le coup c'est vraiment gameplay pirate de l'espace là. Comment je vais là moi? Je dois aller là en fait. Oh, je fais n'importe quoi. Je regarde pas du tout le GPS en fait. Ça piou-piou sec. Ça piou-piou zéro. Ça piou-piou pas du tout. Vraiment. Ça pif-paf plutôt. Faut que j'achète des missiles aussi. Histoire de pas être en rade.
On fait le tour de la galaxie pour le fun. On pourrait, hein. J'ai du mal à... Ah non, mais c'est pas à WAM! Mais parfois, en fait, j'essaie de sélectionner des queumés qui sont pas les miens. Tu m'étonnes que ça marche pas, en fait. Tu m'étonnes. Ça, je m'en fous de ça. Ok, bah vous, vous retournez là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais rien. Je vais là. En tout cas, avec les 80 de shield, ça fait un moment qu'on nous a pas titillé l'intérieur. Hein. Alors, qui veut me titiller l'intérieur? Ah, les drones. Fuck. Fuck les drones. Un petit up. Un up de quoi? Qu'est-ce que je voudrais augmenter là, hein? Non mais je peux plus. Je peux plus cryogéniser des gens. Vous voyez bien que je suis full. Peut-être l'améliorer parce qu'il y a un moment... Il y a un moment où je... Voilà quoi. Tu upgrades salle de muscu. Bah là je peux plus up mes collègues syndiqués, ça c'est sûr. Je me suis mis du spray hydratant à l'huile de chia. Bravo Uruk. Bravo pour cela. T'as toujours un code promo Horace? Oui. Toujours ça. Toujours un code promo Horace. T'en as besoin maintenant? Tu te faut là? Salut Chouxi. Hola, elle grandait comme féfé. Eh oui. Eh oui, c'est moi. C'est WAM! Y'a pas d'oxygène. Y'a pas d'oxygène, c'est cringe. Faut qu'on se dépêche. En fait, faut qu'on se dépêche de les ratios parce que sinon... Sinon, on va mourir, en fait. Vite! 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 On va crever! Non! Où de lutin? Joueur addicted à Marvel Snap. Qui ça? Toi? C'est censé réveiller en moi une information que j'ai connue? Le Raven. Je suis intéressé aussi. Vous voulez tous le code Horace? Bref, pour Woodlutin, merci. Hein. Je vous le mets, moi. Moi, je vous le donne, le code, là. Merci, gros batch, pour le follow. Merci beaucoup. Tenez, là. Tenez, là. Hop, 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 ça clique, là. 20% de réduction, là. Et en vrai, Broken Horace. Vraiment, genre... Ça fait des mois que j'utilise et c'est vraiment, vraiment trop bien. J'ai vraiment eu un avant et un après Horace. Et c'est pas sponsorisé, hein. Mais vraiment, les produits sont très, très bons. Ils sont de très bonne qualité. Je viens de craquer pour Trigon et Farses Frontier. Je connais pas Farses Frontier. Je suis en phase HDV5 sur Rock après plusieurs heures de gameplay à tout optimiser sans utiliser les boosts ni les gemmes pour économiser pour au final désinstaller dès que j'ai validé l'HDV.
Mais je vous ai dit de tout utiliser. Ah bordel, merci Pascal, merci beaucoup. Oh là là, mais maintenant on est que 3, bande de bâtards, on est que 3, ça va être compliqué là. Il faut absolument que je recrute un autre Rakis. Tu m'as influencé pour Trigon, je comprends. Non mais le jeu est trop bien. En plus, si en plus t'as aimé... Si en plus t'as aimé FTL, enfin... Moi je refuse, moi. Moi y a pas de sédition. Hein. Zéro sédition ici. Il marche bien mon build de cac. Ouais mais j'ai quand même perdu... J'ai quand même perdu Wood Lutin quoi. Ça c'est pas bon ça. On peut pas se permettre d'être que 3. Bah même 4 déjà c'était pas ouf. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça vraiment? Oh j'ai envie de tout casser là. Envie de tout casser, j'ai 27 ans et je ne sais pas du tout contrôler mes émotions. Putain, il y avait un type, il faisait pitié à la salle d'escalade, genre il insultait la voix qu'il essayait de passer. Bah le même que mes... Le même que mes qui était trop fort là. Genre il arrivait pas à passer un truc. Et du coup genre il insultait la voix, tu vois. Du coup j'étais un peu cringé, Ah, oui. Tellement mal payé pour un boulot de ouf, on dirait que t'es prof. C'est vrai. Du coup, ça l'a rendu plus fort? Non. Juste, il s'énervait et il passait pas mieux la voix. Ah bah, j'ai bien fait de les ratios jusqu'au bout. Hein. Oh, je suis trop deg. Hier soir, je voulais me refaire Rogue One. Donc je me suis installé et tout, je vais sur Disney+, et paf! La personne à qui j'avais volé le compte ne paie plus l'abonnement! Donc il s'agirait de payer ses abonnements, les amis, hein. La commune, là. Faut payer ses abonnements un peu, là. Quel crevard. Voilà, c'est ma faute. C'est ma faute, alors qu'en 2013, j'ai prêté mon compte, hein. J'ai prêté un compte une fois. Hein, ça... J'ai failli prêter mon compte une fois et voilà. Et c'est au final. Bon, j'aurais pu prêter mon compte une fois. Attends, mais y a un Raki à recruter là. Ce Raki ressemble et parle comme un vrai Terticron. C'est effrayant. Un membre supplémentaire n'est jamais de mauvaise idée. Embarquer les fruits de leur travail. Vas-y, je le recrute. Je le recrute, j'ai besoin là. Du coup, c'est pas un guerrier, c'est un ingénieur. Super. On va le mettre à l'hyperpropulsion alors. Comme ça va juter sur l'hyperpropulsion. Plus 2% d'esquive. C'est de la merde. Et c'est nul, eh. Moi aussi, une fois, j'ai été prêté un compte. C'est vrai, non, c'est le galeux, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que tu m'as prêté un compte une fois. On n'a pas le droit de dire pourquoi, ni comment, ni de pour quelle raison, ni quoi. On a rien dans le dire. Mais j'avoue, c'est pas un gameplay qui me plaît. Le gameplay invasion comme ça. C'est pas je prends pas un plaisir famélique là. Je préférerais quand même aller ratio les que mecs des blasters. Il vient littéralement dire quel compte. Ah ouais, je l'ai dit.
Ah non mais il essaie de vous faire croire des malversations, il m'a pas prêté un compte PH Premium. Salut Orgals, merci Monsieur Grieve pour le follow, merci beaucoup. Ça se prête pas. Hein. C'est comme une vaginette. Bon, sauf une. C'est arrivé que j'emprunte la vaginette du voisin, mais en vrai, j'avais rien d'autre. J'avais pas le choix. Mais c'est pas des choses qui se prêtent de base. Pourquoi j'ai pas d'armes? C'est quoi cette histoire en fait? Vide. J'ai plus de missiles! Un tour dans le lave-vaisselle. Excusez-moi, je suis le voisin du dessous. J'ai cassé ma vaginette. Tu viens avec ta vaginette? J'ai cassé ma vaginette, elle marche plus. Vous en auriez pas une à me dépanne? Bougez pas, monsieur, j'arrive! L'odeur. Ah, ils sont morts! Ils sont morts! Mais. Ils sont morts congelés. Ils ont été trop congelés trop longtemps. C'est comme les poissons panés. Vous avez remarqué, les poissons panés, quand tu les sors de la boîte, ils sont jamais vivants. Mais c'est parce qu'ils ont été congelés trop longtemps. Elle a un petit nom, ta vaginette, 11K et me recale. Comment ça, quel bâtard? Ça va, hein. Moi je dis les termes, c'est tout. Hein. Le rapport entre le poisson et pané, la vaginette, bah les deux sont inertes peut-être. On se cache, j'ai pas la ref. Un petit poisson pané dans son bocal. Là. Allez, amuse-moi maintenant. Allez, fais des tours. Fais des tours là. Salut Quev. Ça va? Dans là des systèmes toaster, vous tombez sur Terticron désactivé qui flotte dans l'orbite de la planète. Vous la portez à bord, mais ne savez pas quoi en faire. Je l'allume. Les Terticrons que vous avez allumés reprend rapidement ses esprits et vous remercie de l'avoir sauvé. On dirait que quelqu'un l'a jeté dans l'espace et qu'il est passé en mode économie d'énergie. Il se fera maintenant un plaisir de voyager avec vous et de griller occasionnellement du pain si nécessaire. Miskin, mon message il s'est fait snap. Bah en même temps, ton message il est genre... soit c'est extrêmement mal placé, soit c'est pas drôle, soit c'est misogyne. Donc le message il part quoi. Le Terticron il coûte 11K. Salut Lianas. Salut Bandafly. Hein. Donc là j'ai gagné un Terticron que je peux foutre au poste de pilotage en fait. Trop bien ça. Incroyable, il y a aussi des mantises dans le jeu, c'est vrai. Salut Tyrandiel. Orange a finalement fait son boulot. Mais en fait il s'est avéré que je me suis... Que de rage et de désespoir, j'ai regardé YouTube ce matin dans mon lit en mode bah c'est bon, vas-y, y a plus de wifi, Orange me fait la gueule et tout. Et au bout d'une heure je me suis rendu compte qu'en fait bah je regardais YouTube via la wifi. Et en fait, moi, j'ai jamais eu de coupure ici. Et j'ai quand même reçu le texto. Et genre, au bout d'une heure, j'ai fait « Ah, mais attends, mais... » Mais c'est Internet, là. C'est Internet, là, qu'on est en train de regarder, là. La base militaire Reraki porte le nom de l'amiral Reraki. Ça, on avait vu, ça. On avait vu, ça. Ça, c'est bon. Après, on était morts. C'est bon, frappez le terminal doucement, voilà, on perd du moral, mais on casse pas le terminal, quoi. Très très bien. Ah oui, et là, faut pas que... Et j'ai pas le choix, là. Comment je suis supposé ratio ce que tru? Je dois envoyer un seul homme. Je dois envoyer une seule personne. Qui va se sacrifier? Zenk? Allez, Zenk. Zenk, c'est toi qui y vas. Tu t'y colles. Tu t'y colles tout seul, ok? T'es prêt? Allez, file. Pas d'oxygène. So long! Salut, Zenk! Aïe, aïe, aïe!
Si seulement, Zeng, je savais inverser le téléporteur, je pourrais te ramener à la maison. Attends, c'est peut-être l'occasion de tester, hein. J'ai essayé un truc, là. Oh, 5 HP. Vas-y, attendez. Shisheyu et Zarumos, c'est parti. Incroyable. Par contre, ça met du temps à charger, hein. Limite, faut que dès qu'il est prêt, je renvoie, en fait. Est-ce une mauvaise idée? Un peu, hein. Là c'est bon, là c'est ratio là. J'ai tout détruit. J'ai plus de missiles, j'ai rien. Je suis sans le sou. En fait c'est ça leur problème. Et là du coup je suis obligé de me barrer quoi. Je vais aller là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ça va, j'ai tué personne en vrai, j'ai sauvé tout le monde. Corps et âme. Bonne réalise d'aller à la chasse. Moi je vais à la chasse moi. Team chasseur ou quoi? Super easy mode, faut le rappeler. Je vais te ban. Je vais te ban en fait. Ça va pas ou quoi? T'es en train de dire que je suis pas en train de mériter ce que je fais là? Tu es en train de dire que le mérite n'existe pas? Tu te prends pour monter de Linguisticae? C'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire? Tu crois que c'est facile d'hériter? Ils m'ont donné tout ça là? Bah je prends en vrai. Hein. Par contre la tourelle de merde, c'est comme la tour de merde d'Antoine Daniel mais sauf que c'est une tourelle. Hein. Tourelle de merde. Nervina, non merci. Par contre, du coup, en vrai, je vais virer ces merdes. Hein. Attends, j'ai quoi? Ça coûte 2. Attends. Temps de rechargement, 10. C'est nul. Je vais mettre ça à la place. Attends. Combien ça coûte, ça? Énergie nécessaire, 2. Énergie nécessaire, 2. Énergie nécessaire, 3. Énergie nécessaire, 1. Arme IEM. On s'en fout de ça, en fait. Ça, la vérité. J'ai plus de missiles, Jérin. C'est triste en fait. Faut que j'aille au shop. Faut juste que j'aille au shop en fait. Je vais au shop. Ok. On va vendre ça. En fait, on va acheter des missiles, je pense. Hein. Missiles mastif. Je prends le tout. On prend le tout! Missile Langbao. Missile Fragmentation. Vas-y, je prends le tout, là. C'est bon. Non, mais c'est bon. Tourelle Blaster, on s'en fout. Ok. Chantier naval. J'ai combien d'argent? Mais c'est honteux, en fait. C'est juste honteux, quoi. C'est n'importe quoi. Je tiens à le dire que c'est n'importe quoi. Mais c'est... Ok, je suis actuellement en fait en train de juste tout acheter quoi. Je vais en profiter pour recruter... Un médecin. Mais le médecin, si je l'emmène avec WAM, quand j'attaque, peut-être c'est utile, non? Électricien, ingénieur en chef. Déjà, voilà. Moi, je vous vends ces merdes. Je peux pas les vendre. Si, je dois pouvoir les vendre. C'est quoi ça? Je comprends pas. Pourquoi je peux pas les vendre? Parce qu'ils sont canés! Modèle furtif, machin, on s'en fout.
Attends. Lui, il a l'air bien, lui. Non, mais en vrai, on s'en fout. Pourquoi je peux pas l'acheter? Bizarre, ça, non? Parce que je l'ai vendu. Et je peux pas vider ma... vider mon sas de cryo de constipation là. Je peux pas m'en débarrasser de ça. Pour l'éjecter, éjecter oui. Ah voilà, c'est éjecté. On a entendu la chasse d'eau. Ok. Vas-y, bah j'y vais là. C'est super ici de ban deux clics. Oui. Et parfois vous croyez que je banne alors qu'en fait j'ai juste supprimé un message au midi minute. Y'a pas de diff en fait. Attends, quoi? Oh, il va être horrible. Oh, il va être horrible. Oh là là, il est horrible. Je pense qu'il va falloir qu'on se barre. J'ai perdu le pilote. Comment il est mort? Faut qu'on se barre. Faut qu'on se barre, y'a pas le choix. Pourquoi le système d'arrosage ne s'est pas déclenché? Peut-être parce qu'on en a pas. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est compliqué là. Ça va, ça va. C'est un malade. 480 HP, 80 de bouclier et tout. Non mais... Le pont du capitaine n'est pas opérationnel. Ah bah je vois ça, oui. Je suis dessus là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la mécanique d'éteindre les feux en supprimant l'oxygène de dehors là. Ok, faut juste survivre, réussir à réparer et on s'envole. Et bisous, je m'envole. Hein. Faut qu'on se barre là, hein. Juste faut qu'on se barre. Hein. Il est trop puissant. Attends, c'est ouvert ou c'est fermé là? Pourquoi il n'y a plus d'oxygène là, typiquement, ça c'est des choses que je ne comprends. J'ai plus le 2 là. Survie. Eh, c'est rude, hein. Ah vraiment, les rakis, c'est pas facile. Hein. Attends, mais du coup, j'ai débloqué un... J'ai deux nouveaux vaisseaux, des rakis. Ah, ça, c'est bien, ça, par contre. Peut-être que ce sera plus simple avec eux. Parce qu'en vrai, le gameplay est chiant easy. Hein. Tout pour te mettre dedans. Ah non, mais il était trop fort. Mais du coup, j'ai débloqué deux nouveaux vaisseaux. Attends, mais est-ce que j'ai débloqué des nouveaux vaisseaux, genre pour les autres? Oui. Ah d'accord, il y a des vaisseaux qui sont une fois, il y a certains vaisseaux qu'une fois qu'ils sont débloqués, ils sont débloqués pour tout le monde. Ok.
Pour rester dans le RP, je pense que je vais prendre ça. On a des drones cette fois-ci. Alors, les derniers subs, il y a eu qui? Il y a eu... Bon, par contre, on garde notre capitaine habituel. Et on a David Zimmer. Ainsi que Enidnam. Enidnam, probablement. D'ailleurs. Merci pour le clic. Merci beaucoup, ça a cliqué, là. Ça a cliqué juste ici, là. J'ai vu. Merci beaucoup. Plus que 14 clics. Et on aura validé le quatrième palier. Quatrième et avant-dernier palier. Et après, je vous laisserai tranquille. Après, j'arrête. J'arrête de vous faire chier avec ça. Et par contre, vraiment, le gameplay... Le gameplay horrible. Alors, attendez. Parce que là, du coup... On a 4 blasters. C'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. On a un bon start, en vrai, avec eux, là. Et on a aussi... a priori, on a aussi quoi? Ah non, on n'a pas de système de drone. Il me semblait avoir vu qu'on avait des drones aussi. Bon bah non. Bah très bien. Salut à Belgar. Là ça va game. Hein. Le Terticron 62-85 vous souhaite la bienvenue. Nom de code croupier. Acceptez de transporter les jetons. Oui. J'accepte. Bah c'est juste à côté en plus. Bah j'ai bien fait d'accepter hein. J'ai pas de crédit, j'ai pas de ferraille. Ah, j'ai rien, je suis pauvre. Bon, bah attends, j'ai un peu de crédit. Putain, et dites-vous, on a perdu. Alors que, genre, on était au max du max. On pouvait pas améliorer plus notre vaisseau. C'est triste, hein. C'est quoi le but du jeu? Bah là, on est dans le mode campagne, donc du coup, faut remplir des quêtes. Et à terme, atteindre un boss. Mais c'est pas le mode libre. Il y a un mode libre aussi, qui s'affilie un peu plus à ce que fait FTL, pour le coup. Ok, normalement... Voilà. Attends, j'ai une nouvelle tourelle là. Est-ce qu'elle est mieux que celle que j'ai? Arme à plasma, 3, 20, 3, 3, 10. Ok. 4 secondes de rechargement aussi. En vrai, je vais tester, hein. Je pense qu'elle est mieux. Hein. Envoyer quelqu'un en éclaireur. Vous trouvez, c'est une station de recyclage de vieux déchets. Non, je garde mes distances. J'ai pas envie de perdre un de mes collègues dès le début de la run comme ça, là. Ça sent pas bon. Vous arrivez aux dernières coordonnées de votre mission. Ça, on se rappelle. Ça, on a fait. Attends, c'est quoi ça? Lui, il est guerrier. Griffe aiguisée. Toi, t'es opérateur d'armes. Et toi, tu es opérateur de bouclier. Oh là, faut qu'on se barre, là. C'est quoi, cette histoire? C'est bon. Perdre un collègue syndiqué, c'est toujours un drame. Mais bien sûr, c'est fou. Les mineurs réfugiés, vas-y, je les écoute. Signal SOS, ok. Alors, attendez. C'est pas lui le pilote, opérateur d'armes. Opérateur d'armes, est-ce qu'il est aux armes? Pas du tout, donc on va le mettre là. Et lui, là... Qui est en train de réparer. Qui a fini de réparer, bravo. Tu vas te heal. Et puis, tuer. Opérateur de bouclier, et après tu vas aller là. Jour de jeu 7. Ça, je sais pas trop. J'ai l'impression que la difficulté, genre, accroît. Parce que t'es pas poursuivi par une flotte. Mais par contre, j'ai l'impression que si tu... Comment dire? Que si tu traînasses un peu, le jeu devient de plus en plus difficile. Je serais curieux d'aller voir à combien de jours j'étais sur la run d'avant quand j'ai perdu. Je dois aller où? Du coup, je pense qu'on va rush objectif. Hein.
que ça nous a pas réussi de pas rush objectif. Ça nous a pas du tout réussi. C'est quoi vos meilleures pattes? Je parle pas de marque, hein. La meilleure patte, genre, la forme de patte. Attention, si vous répondez pas au Rikiété, je vous banne. Ah, les Serpentini, ça tue. Torsade aussi. Tini, c'est bien, ouais. Tagliatelle aux œufs, ouais, c'est cool. Mais le problème des tagliatelles, enfin des pâtes fraîches, c'est que ça boit trop de sauce. Les knupf, c'est bon ça aussi, ouais. Ça boit trop la sauce, les pâtes fraîches. T'es là, tu mets un peu de crème et le queutru, il est en mode encore. Péné, c'est bon. Ouais. Coquillette indétrônable. Oh, tout ce que j'ai GG là. Ils sont bizarres tes pattes. Oui, bah. Tu vas pas commencer à critiquer en plus. Les Fefellini. C'est les meilleures, elles. Je suis bien d'accord. J'ai un peu de ressources. Je pense que principalement, on va améliorer les shields au début. J'ai un peu de sous ou pas, hein ? J'ai pas beaucoup de sous. Mais ça vaut quand même le coup d'aller voir là-bas. On peut parler marque ? Bien sûr qu'on peut parler marque. Bah marque, si vous me dites pas Rumo ou les paquets bleus là, des Checo là, c'est bon. Moi je vous parle pas. Hein. Coquette jambon blanc, meilleur plat. Alors, bon plat qui dépanne, oui. Meilleur plat, bon, tu vas dans un restaurant, t'as le choix. Pour le même prix, entre des coquillettes au jambon et insérer n'importe quel plat, un minimum élaboré, je pense que tu prends le plat minimum élaboré. Je vends tout là. Hein. Je vends tout, je mets tout sur mon PEL. Y'a pas des trucs à 1 ? Énergie nécessaire 2. Énergie nécessaire 3. Énergie nécessaire 1. Drone de combat. Ouais, mais les drones, moi le gameplay drone, c'est comme des gameplay invasion, quoi. Je suis pas fan. Y'a un ingénieur, un pilote. Et j'ai un pilote ou pas, hein? J'ai pas de pilote. Je pourrais recruter Sophia. Sophia qui est broken du coup apparemment. Vas-y, je prends Sophia. Bienvenue dans l'équipe Sophia. Je t'ai acheté. Merci Sir Phoenix pour le follow, merci beaucoup. Et du coup je lui donne le nom de... Ah bah y a pas. C'est bon, on s'envole là. Vas-y, bah je m'envole. Je dois aller là-bas. N'accepterait pas que l'on malverse sur les coquillettes au jambon. Ah non, mais je dis pas que c'est pas bon. C'est très bon. Juste genre c'est pas le meilleur plat, quoi. C'est bon, mais c'est pas le meilleur plat. Oh là. Ok. Bon, après si je prends ça, ça veut dire que je m'assois sur 3 de mes canons, quoi. Avec de la crème, ça s'appelle pas des carbos. Si t'as envie d'appeler ça des carbos, appelle ça des carbos! Arrêtez de faire les puristes de la bouffe, là! Cessez de malverser, là! Les dépêche-trompe. Les carbos, c'est très bon avec ou sans crème, hein. C'est même meilleur avec de la crème, d'ailleurs. Appelle ça autrement, surtout. Tu vas faire quoi si je l'appelle pas ça autrement? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir chez WAM? Tu vas appeler
Stefanino des Linguini, là, le créateur de la carbo, il va venir chez moi, il va me taper sur les watts. C'est pas vrai. Il fera jamais ça. J'ai acheté un quemé là. Hein. Les deux, c'est dinguerie. Bien sûr que les deux, c'est dinguerie. Toutes les recettes du monde ont évolué. Faites pas les progressistes sur un sujet et les gros conservateurs catholiques sur d'autres. Hein. La gastronomie, elle est faite pour évoluer, quoi. T'es quoi déjà, toi, t'es pilote? Je te mets là, alors. Et Chiche, il est quoi? Il est guerrier. Mais là, le mélange de la vraie et de la fausse carbo, en vrai. Mais en vrai, il n'y a pas grand chose qui les sépare. Hein. J'essaye de t'apprendre. Mais t'as rien à m'apprendre. Hein. Tu n'as absolument rien à m'apprendre. Non mais sur le sujet quoi, hein, sur ça. Bah une pizza où tu mets base crème, les gens ils appellent quand même ça une pizza, tu vois. Le melon et un tout petit zizi. Oh slash banal là. Slash banal. Les puritains du dictionnaire là. Y'a un débat là-dessus, non? Mais je vois pas la... Enfin... Oui. Oui, allez, venez, on débat là-dessus. Allez, venez, venez, on lance un débat là. C'est quoi une vraie pizza? Yes. Yes. Et puis après on débattra... On peut débattre sur de plein de trucs si vous voulez. C'est yes. Ah mais la raclette sur des frites, c'est trop bon. Mais t'auras toujours un connard de Suisse pour te dire « Ah non, je suis désolé !» En 39, quand la raclette elle a été inventée, il n'y avait pas de frites. Bon. Quoi, la raclette au morbier? Bah je suis désolé de te le dire, Orgals, mais la raclette au morbier, c'est pas une raclette. Donc tu arrêtes tout de suite de dire ça, sinon moi je te SWAT. Moi j'envoie le SWAT chez toi, ok? J'envoie le SWAT, il débarque chez toi, il te découpe en deux. Moi je rigole pas du tout avec la bouffe. C'est un sujet très sensible. Soit vous appelez les choses comme elles s'appellent, soit je pète un câble en fait, je coupe le stream. Je coupe le stream, c'est trop. Ah, Yakovab, non, je suis obligé de revenir, pardon. C'est la police de la raclette. Vas-y, swat-moi, on se fera une raclette. Tout ce qui s'appelle des tapas. Mais oui, mais grave, donnez du lest, là. Prenez un peu de recul, on parle de bouffe, c'est tout. On s'en fout, quoi. Si j'ai envie d'appeler mes carbos des carbos parce que j'ai rajouté de la crème, et ben j'appelle ça des carbos et vous venez pas m'attraper ma veste, quoi. C'est bon. On n'est pas sur un débat de faire une tarte aux fraises sans fraises. Là, oui, non, une tarte aux fraises où il n'y a pas de fraises, bah c'est dans le titre, en fait. Le lest avant, après, ouais, les céréales. Petite pensée aux voisins. Non, mais les voisins, ils doivent m'adorer, déjà. Attends, je dois faire quoi? Vaisseau humain est resté coincé dans le système, leur capitaine vous appelle et demande votre aide. Au secours! Faites-moi sortir d'ici, l'IA, machin. Prenez le vaisseau, risque de l'équipage. Vas-y, je l'aide. Ah oui. Ah oui, tout le monde a failli canner, quoi. Belle décision, capitaine. Comment voulez-vous qu'on vive ensemble, qu'on travaille sur le vivre ensemble si vous n'êtes pas foutu d'accepter que les autres ils aient des goûts différents?
Je suis hyper d'accord en plus, Ilianas. Et c'est pareil avec la crème, tu vois. Genre, probablement qu'à l'époque, le que mec a inventé la carbonara, il était là en mode putain, je mettrais bien de la crème là. 30% matière grasse, semi-épaisse. Mais je peux pas. Parce que putain, j'ai pas de sous là. Ça se trouve là, le que mec de la carbonara, il s'astique à chaque fois qu'il voit quelqu'un qui fait des carbo à la crème. Hein. Parce qu'il est en mode putain, mais c'est exactement ce que j'ai pensé pour mon plat. Et il chiale, tu vois. Il est là, il chiale. Hein. Il chiale de ouf. Oh non, j'ai pas fait le bon truc. Toi tu vas là. Attends, mais on a perdu quelqu'un. Y'a quelqu'un qui est mort. Oh non, il est mort. Mais le pilote est mort. Ouais, mais les lardons. Ah, je suis d'accord pour dire que, et moi je l'ai fait toujours à la pancetta, je suis d'accord pour dire qu'à la pancetta c'est bien meilleur. Mais en vrai, genre, les gens qui mettent des lardons, bah ils mettent des lardons et je leur attrape pas la veste quoi, je m'en fous, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Nombre de vieillesse, on aurait préféré, ouais. Il s'assique s'il veut, mais pas dans ma carbo. J'ai vu quelqu'un parler en mal de Rise of Kingdoms, ça c'est ban, hein. Ça c'est ban, mais direct. Personne malverse le meilleur jeu de l'univers. Pancetta God Tier bien poivré. Ouais, moi c'est ça que je fais, c'est que je balance la pancetta sur un feu bien vif. Et je poivre à balle. Et je fais revenir la pancetta jusqu'à ce qu'elle soit un peu croustillante. Et là ça fait une bonne base. Une bonne base de carbonara à la crème. Parce que c'est meilleur. Par contre, vous savez qu'est-ce qui est dégueulasse, et là-dessus on peut se mettre d'accord. Niveau pas de bolo, c'est quoi ton avis? Mettre des carottes dans la sauce tomate. Et pas trop cuire, et mettre la viande vraiment au dernier moment pour pas trop la cuire, sinon après elle est trop cuite et c'est moins bon, je trouve. Après tu rajoutes des champignons et de l'ail. Non, pour le coup, si tu rajoutes des champignons et de l'ail je vais pas le dire. Mais ça doit être très bon. Merci Mitrizar pour le follow. Rillette du Mans, je préfère la rillette, j'aime pas le pâté, je déteste le pâté. Enfin je déteste, non mais j'aime pas le pâté, je préfère largement la rillette. Ah d'accord, donc dans le mot carbonara, il n'y a pas marqué sans crème, quoi. Ça va alors. Les pâtes Bolloré, j'ai pas raison. Vous saviez que OCB, la marque de feuilles à rouler, le B c'est pour Bolloré. Vous saviez ça ou pas? Moi je savais pas. Je ne savais pas. Ah bon, oui. Alors Bolloré n'a plus de part dans l'entreprise. Mais pendant très longtemps, il était... vraie info, oui, vraie info. C'est vérifiable, hein. Tapez OCB, vous verrez. Tous les Rennais en PLS. Envie de fumer Bolloré. Ah, c'est pas ça l'histoire. Et du coup, et maintenant, il a plus de part dedans, par contre. Mais ils ont gardé le nom OCB parce que bah, c'est tout le monde connaît, quoi. Truc de ouf, ouais. Je trouve ça dingo que l'info, elle soit jamais... Enfin, c'est une info très confidentielle, quoi. Pas confidentiel, on s'entend. Salut Rose. Du coup, t'allais commencer à dire un truc sur lequel on était tous d'accord. Oui, oui, le truc sur lequel on est tous d'accord, c'est que la coriandre, ça pue sa race, et tout pareil pour la béchamel. Et là-dessus, je pense qu'on fait un consensus et qu'on s'entre-sus, quoi. Je pense qu'on est... Voilà. Je suis hyper content qu'on soit tous d'accord. Ça me fait plaisir de voir qu'on est tous d'accord. Vraiment. Trop content là. Le désamour de la coriandre est génétique. Oui, moi je suis génétique. Je suis en pleine génétique là. Attends, mais j'ai canné là. Mais pourquoi tout le monde va... Mais pourquoi je fais que canner? Non mais c'est pas possible! Il y a un moment donné, il faut faire quelque chose, quoi.
Mais il se heal à deux à l'heure, en fait. C'est ça la vérité. Non, je pense que j'ai cliqué. Bref, dans la coque, IEM, machin, mes couilles. Oh non, ITP. ITP. ITP, mais ils sont que 1. Allez, full camp. Il est encore là. Il est encore là, ce chacal, par contre. Hein. Il va venir, on va le fumer. La fameuse gêne éthique. Attends, mais ça y est, on est arrivé à la quête... Ok. Des miracles de l'expérience, de la chance et un soupçon de ruse de chasseur. Tous ces éléments réunis vous permettent de vaincre les vaisseaux et vous arrimer à la station. La station ressemble à un organisme vivant. Ce serait une bonne idée de l'examiner plus en profondeur avant que le Terticron en envoie de l'aide. Merci, Diode Polanta. Vous inspectez toutes les pièces de la station. C'est à la fois effrayant et étrange. La chair vivante et le métal sont entrelacés ici dans une symbiose étonnante. Vous trouvez des Rakis avec un tas d'inventions et des Terticrons implantés en eux. Cet endroit, c'est effrayant. Je n'ai jamais ressenti de peur depuis l'époque de la première guerre avec les Etaris. Mais ça, c'est terrible. Les guerriers devraient mourir sur le champ de bataille plutôt que sur les tables de chirurgie aux mains de machines insensées. À l'aide ! Vous vous retournez et remarquez des cellules avec d'autres êtres inconscients, humains, Etaris. Presque toutes les races sont représentées. Parmi les nombreux cadavres, vous trouvez un Etari très faible, qui est au bord de la mort. C'est vous, chasseur cosmique ? Est-ce que je délire ? Vous êtes quand même venu nous sauver ? Tant d'années ont passé, je ne pensais pas que je vous reverrais un jour. Je ne vous comprends pas, Etaris. Je ne suis jamais venu ici avant. C'est la première fois. Votre esprit s'embrouille et soudainement, vos souvenirs reviennent. Vous vous souvenez de tout. Comment les Terticrons ont capturé votre clan et fait des expériences sur vous ? Comment ils vous ont lavé le cerveau avec de la psionique et vous ont fait faire des choses étranges ? Vous échappez, partir, pendant que vous vous souvenez, une alarme se déclenche. Les Terticrons seront là d'un moment à l'autre. Courez, chasseur cosmique, sauvez votre peuple comme vous l'aviez prévu. Les chasseurs ne s'enfuient pas et les chasseurs cosmiques ne laissent pas leur peuple derrière eux. Venez avec moi, mes amis, je vais vous aider à vous porter jusqu'au vaisseau. Vous prenez les taris et le portez jusqu'à votre vaisseau. Dès que vous décollez, vous rencontrez un des vaisseaux Terticrons. Ces salauds vont payer pour ça. Ils le paieront cher. Vous devrez d'abord éliminer ceux qui se trouvent sur votre chemin, puis retourner sur votre planète d'origine et éliminer toutes les bestioles restantes. Ce sera un voyage difficile, mais vous êtes le chasseur cosmique. Je suis le chasseur cosmique. Merci d'ailleurs Link. Enfin bonjour d'ailleurs Link plutôt. La béchamel 8, c'est comme la pizza ananas. Bah pour le coup, moi la pizza ananas... J'ai aucun problème avec. Si t'aimes la pizza ananas, bah let's go en fait, tu fais de mal à personne quoi. En fait, je pense qu'on devrait plus lutter contre les gens qui aiment le Nutella. Parce que pour le coup, c'est vraiment de la merde et en plus, ça malverse la planète. Plutôt que de lutter contre des pauvres gens qui aiment la pizza ananas ou les carbonara avec de la crème quoi. Mais bon, faut choisir ses combats quoi. Je les ratio. Ok, on peut survivre là un peu. Merci. Et c'est qui elle? Shelina. Elle est où? Elle est là. Et du coup c'est qui? Ah bah non, il y a pas eu. L'ananas aussi doit faire mal à la panne, cela dit. Ah ça on est bien d'accord. Mais un peu moins que le Nutella je pense. Mais oui en le disant je me suis dit en vrai l'ananas aussi ça fait du mal. Allez faut tout retaper là. En plus il y a des... On se dépêche parce que là on est en plein champ d'astéroïdes là. Un trou de plus, un trou de moins. Et ferme la porte, ça va pas ou quoi? Pizza béchamel, coriandre, ananas, OCB. La pizza maudite. Expert en bouclier, après avoir été rechargé, capsé mouquet, c'est ça qu'il faut faire. Faut qu'on s'envole là. En vrai je mange. Ah si t'as la dalle, oui. Ça va venir cliquer sur le POE ou pas? Oui, c'est prévu. C'est prévu qu'on clique sur POE.
Allez, sois longue. Ok. Bon, ça serait bien qu'on reparte sur des bonnes bases, là. Nouvelle saison, vendredi soir. Ouais, ouais, ouais. C'est là qu'on va commencer, d'ailleurs. Je stream depuis combien de temps? Ça dépend ce que t'entends par streamer, mais j'ai créé ma chaîne en octobre 2018. Et je stream véritablement, genre, ambiance régulièrement et tout, depuis... Depuis juin 2020. Et vraiment tous les jours, depuis juin 2021. Oui, j'aurais pu répondre ça aussi. Mais je suis pas très drôle. Hein. On va la mettre là, je pense. T'as créé ta chaîne, j'étais pas né. C'est loin! C'est pour ça que je vais sur cette chaîne, marre des gens drôles. C'est insupportable, il y a beaucoup trop de gens drôles sur Twitch. Du coup, j'essaie de contrebalancer en étant vraiment, vraiment extrêmement cringe. Deux points de carburant sont consommés, l'hyperpropulsion est immédiatement rechargée. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut leur fumer maintenant? Je leur fume tout, c'est incroyable. On fume l'O2. On fume... leurs armes. On vient pas ici pour l'humour, ça c'est clair, on est là que pour pote au feu. Je l'ai pas séquestré, il est juste derrière moi. Il est là. Je l'ai un peu ratio. Hein. Je l'ai un petit peu ratio. C'est pas si vieux, tu t'en sors vachement bien, je trouve. Je te dis château. Bah écoute, château à toi aussi. Salut Kento. Il est comment le jeu? Mieux qu'FTL. Désolé. Désolé, vraiment je m'excuse auprès de la communauté FTL, mais c'est mieux quoi. Salut Lilith. Château à vous tous. Bah château à tous là, hein. C'est parti hein. Vous passez votre château level 5, c'est bien pour l'OP. Exactement. J'ai perdu encore. Mais vas-y, c'est bon, et gros, et ça y est. Combien ça coûte? Trop cher. J'annule. J'augmente un peu de shield. J'augmente un peu mon shield. Et je me casse. C'est une ref. Ah ouais, château, c'est une ref. Salut, je suis Stan. Ok, maintenant on fume ça. J'aimerais bien pouvoir looter de la bouffe chez eux là. Oui, c'est vrai que 90% du temps, quand t'as pas une rêve sur internet, c'est très probablement. C'est très très probablement Kaamelott. Hein.
On attaque les pirates. Détruisez les deux vaisseaux amiraux. Vous vous battez contre des hordes d'ennemis, mais il s'avère que le système est équipé de brouilleurs d'hyperpropulsion. Et vous en connaissez certainement la raison. Juste devant vous, deux vastes flottes s'affrontent. Les Vénators et les pirates. Les deux vaisseaux amiraux brouillent les hyperpropulseurs. Tout est désespéré car aucun des deux camps n'arrive à communiquer avec l'autre. Mais grâce à vous, l'équilibre des forces a changé. Qu'allez-vous faire, chasseur cosmique? Détruisez les deux vaisseaux amiraux! Je vous déteste vraiment tous les deux, donc je vais vous détruire tous les deux! Que la bataille soit notre juge! Préparez-vous à l'action, sales humains! Vraiment, je vous déteste! Allez, sois long. Ils sont gentils, tu les affrontes un par un. Ouais. Non, ils TP. Ça, c'est pas drôle, ça. Ça, c'est pas drôle, ça. Ça va partir en couille. Ça va partir en couille, ça. J'ai perdu un... Mais d'où? On voit pas le combat avec ta cam. Ah, so long. Bah, ça se passe mal. Ça se passe mal, y'a quelqu'un qui est mort. Y'a deux personnes qui sont mortes apparemment même. Attends, il renvoie des gens là? Attends, mais il la raise? Il la raise quelqu'un? Attends, mais what the fuck? Il la raise quelqu'un? Mais c'est quoi cette histoire? Mais attends, mais ils sont en possession de maléfices dont je n'ai aucune idée en fait. Il a 120 de boucliers. Ah oui. Bah, je vais me faire foutre. C'est ça, j'imagine que c'est ça le message. M'en fous, hein. Non, mais c'est pas grave. Parce qu'on a un autre vaisseau à tester. Ah, c'est lui qui est droné. Moi, j'ai jamais joué avec les drones encore, moi. J'ai encore jamais joué avec les drones. Normalement, on est censé y arriver avec lui, quoi. Si on veut jouer, on va réessayer ça. On va réessayer, et puis tant pis, quoi. Enid Name, David Zimmer, et le dernier sub, c'est Faz. Ah, terrible ça, Starry Night. Ça arrive tout le temps, ça. Full RP castagne. Ouais, parce que je pense que... En fait, faut juste que j'arrête de tergiverser et de tourner un peu en rond. Faut que j'y aille, en fait. Faut juste que j'aille aux objectifs. Je gagne une place de cargo. Très bien. Bah, je tabassais parce que j'avais 4... J'avais ce qu'il fallait, mais le problème, c'est que je tabassais pas assez fort, quoi. C'est un peu un souci. Salut, l'œil de Sauron. Non. J'aurais pas dû faire ça.
Direct quoi, au feu? Bah au feu. Mais non, mais c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est peut-être là-bas le feu. C'est une dinguerie. Vraiment là? C'était pour voir un truc. Je voulais voir un truc vite fait là. Je voulais voir un truc vite fait, ça a pas marché comme je l'entendais, c'est pas grave. Faites pas attention. Cliquez sur Rise of Kingdoms plutôt. On va aller là-bas. Salut Dolphy. C'est la faute de phase. Bien sûr que c'est la faute de phase. Sinon pourquoi? Ok. Moi ça me va. Hein. Moi vous savez, je suis pas... Je suis pas hyper regardant, moi, sur la manière dont on... Moi, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, quoi. Voilà. C'est ça que je voulais dire. J'ai combien de sous, là? J'ai rien du tout. Je n'ai rien du tout. Faut juste qu'on se fasse moult ressources. Les écouteurs sont cassés, j'entends que les basses, donc ça fait 20 minutes que j'entends juste piou piou vroom bip. T'entends pas ce que je dis? Est-ce que je suis en train de gagner? C'est tout ce que je veux savoir moi. On va réparer ça. Et vous deux, vous allez réparer ça. J'accepte. Toi, tu vas aller réparer ça. Toi, tu vas aller réparer ça. Alors, attendez. Niveau supérieur, Hulk ou Sprinter? Hulk. Let's go. Niveau supérieur, Hulk ou Sprinter? Hulk. Mettre en combat rapproché? Oui. Dégâts subis réduits de 30%? Oui. Il faut réparer la cryogénisation. Tac, tac, tac. On est à 5 jours de jeu. En fait, ouais, c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est les jours de jeu, en fait. Non! Je me suis trompé! Je me suis trompé! Vas-y, je mange quoi ce soir? Vous mangez quoi, vous, ce soir? Je sais pas ce que je vais manger ce soir. Je crois que je vais avoir drôlement faim. Dis donc, je suis allé à la salle. Hein. De l'huile. Il paraît que c'est bon de prendre une cuillère d'huile. J'ai trouvé un bon angle de fil pour t'entendre. Je suis ravi. Putain, je m'avachis. Une demi-seconde. Une demi-seconde. Direct. Hop. Ton dos gougnafié. Vous êtes gentil de prendre soin de moi. Je le vois comme des gens qui... Enfin... Je vois que vous prenez soin de moi, quoi. Salut, Tarbaguette. Des cailloux et de la terre. Cordon bleu et des patates. Côte de porc, pommes de terre sautées, champi. Une soupe miso. Pâte saumon ou épinard saumon. Chou rouge, saucisse. Rin, est-ce que t'as pas d'argent ou parce que t'as pas faim? Moi c'est l'eau fraîche, dernier colis. Trop bien. Pas de carbo, je me suis fait influencer. Avec de la crème, hein. Royal kebab steak harissa samouraï complet en galette. Ça marche.
Coquette plus de nuggets, une quiche raclette. Ah, il y a des bonnes idées. Hein. Là, ça a l'air pas mal, ça. Le Royal Kebab Steak Harissa Samouraï complet, là, il fait de l'œil. J'ai bien envie de manger de la grosse merde, mais du coup, je vais manger sagement chez moi, je pense. Hein. TP là-bas. Hop, et on attaque ici. Une conserve de Macédoine. Oh, ça me fait trop de peine. Ça me fait trop de peine. Je peux pas. Waouh. Conserve de Macédoine, quoi. La Macédoine. La Macédoine me fait de la peine. Allez, cassez tout là. Dommage que je puisse. J'ai cassé l'eau 2. Je suis vraiment un abruti. Hein. Je suis vraiment un abruti. Non, mais c'est grave. C'est hyper grave en fait. Après, je peux les tuer sans l'eau 2. Hein. En train de crever. Quoi? Alors attends, ça je m'en bats les couilles. Ça je prends mais direct. Ça. Ah, ça vaut cher. Moi faut que je les prenne. Hein. Ça vaut cher. Missile mastiff. Ça je prends pas. Ça je prends. Non attends, ça je prends. Ah ouais. C'est même pas une question de sous, j'aime juste tellement pas cuisiner. Moi j'aime bien. J'aime bien cuisiner moi. Et pas toujours. Parfois j'ai la flemme quoi. Mais comme tout le monde je pense. Et comme pour tout. Mais sinon j'aime bien. Dernièrement je me suis déterré à faire des trucs cool. Comme des carbonara à la crème. Même le pays est pas ouf, mais laissez la Macédoine tranquille. En plus, c'est en Macédoine qu'on a le croissant fertile. Ah non, c'est la Mésopotamie. Pareil. La Mésopotamie, ça existe plus d'ailleurs. Ça se trouve, ça n'a jamais existé, on sait pas. Hein. C'est un complot. Avant, on était des chasseurs-cueilleurs. On chassait et on cueillait. C'est conspi ici, j'aime bien cette nouvelle identité. Ouais, fallait que je change de ligne édito, là. Ça faisait trop longtemps qu'on avait la même, et du coup, j'ai décidé de devenir fan de Dieudonné et conspirationniste. Et fan aussi de Eddie Berkeley, ainsi que de Jean-Marie Bigard. On va faire la bagarre, là. Ah ouais, tant que ça. Alors. Comment on fait pour se faire rembourser un sub? On peut pas. J'ai déjà dépensé votre argent dans la création de mon assurance. La manga assurance. Au feu, putain, c'est bon. Ok, eux ils sont morts. What? Ils ont échangé de place? Donc mes petits soldats ils sont toujours là-bas? Attends, ils ont rééchangé de place? Et je me fais malverser là. Et ça va? Tu veux de l'aide peut-être? Je crois qu'il veut de l'aide. Et dont cet individu. Toujours au feu? Qu'est-ce que ça...
Où est-ce que c'est le feu là? Ah oui, c'est le feu là. C'est bon, il est mort, il est mort. Ils sont nuls pour réparer, c'est un truc de ouf hein. Oh, il me répare. J'ai été réparé gratos. Non mais attends, mais j'ai le temps de souffler. Non mais c'est une dinguerie. Non, faut pas mettre ça. Allez, fous-moi le camp là, c'est bon. J'aimerais bien péter un coup là. J'ai hâte de l'arc où tu seras un weeb. Vraiment? J'ai du mal à te croire. Tourelle de blaster. Oh, on s'en fout. Pourquoi j'ai gardé cette merde? Ok, ok. Alors attendez. C'est encore le feu chez WAM? Non, c'est bon. On va se heal. Tout le monde au heal. Comme les pyramides, je les ai jamais vues perso. J'aimerais trop voir les pyramides en vrai. Y aller dedans. Morsa et les pyramides. Y'a eu un... Moi aussi je veux voir Tilk. Mais Tilk il attend pas devant la pyramide depuis 25 ans que Stargate SG1 c'est fini hein. Qu'est-ce que c'était bien Stargate. Je pense que ça doit être méga lunette. J'ai peur de regarder à cause de ça. T'arrives en cosplay Naruto et tu dis oh yo mais Sassi Baka. Aujourd'hui on va malverser ce qu'il y a. On va rejoindre Shishiyu Sama en Vogue. Bah non mais Stargate Atlantis c'était de la grosse merde. Ils ont fait de la merde avec Stargate Atlantis en vrai. Ils sont foutus de la gueule du monde. Ça faut le dire. Ça. Je sais pas. Oui. Chaffa. Cri. Par contre, je trouve que c'est l'une des meilleures façons d'amener un spin-off. Qui a été fait dans l'histoire des séries. Genre vraiment le fait que de Stargate découle le spin-off en mode hyper fluide quoi. Genre les ils découvrent Atlantis et de là sort une nouvelle série Stargate Atlantis. J'ai trouvé ça très bien fait par contre. Alors que dans beaucoup de séries ou quoi, il y a juste un spin-off et puis tu peux rien faire quoi. F2 ça non. Aïe. Lance-roquette. T'entends charmant 10 secondes, tire 2, round 1. Mais je comprends pas. Il est phénoménal, mais il a pas des statistiques exceptionnelles. Hein. Il a pas des stats incroyables. Hein. Envie de recruter quelqu'un là. Coûte cher un peu là. C'est l'inflation. Coûte cher là. Là, on a 42 shield. Ça devient un peu plus intéressant quand même. J'aime bien les deux premières saisons de Stargate Universe. Je crois que Stargate Universe, j'avais pas regardé. J'avais fumé Stargate SG1 et j'avais fumé Stargate Atlantis.
Et c'était trop bien. Moi, franchement, je kiffais. Hein. J'ai combien de... Est-ce que je peux choisir mes missiles? Ah oui, j'en ai beaucoup. Ouais. Ah! Alors en fait, il s'agit qu'il y a pas de... On peut pas respirer ici, quoi. Oh putain. Oui! Oui! 3 HP! Allez-vous heal! Allez-vous heal, les copains! Au poil de fiac pour les deux, pour le collègue, ouais. Il met du temps à recharger par contre, hein. Oh, ça c'est parce qu'on a personne, on a personne aux armes. 20 secondes. Ah oui. Ah oui, d'accord. Non, bah, d'accord, ok. Faut pas être pressé, hein. Vraiment là? Vous foutez de moi? Coq 196. Et... Ah non, bah faut heal jusqu'au max, hein, sinon on pourra rien faire. Hein. Bah c'est loose, bah c'est déjà loose en fait. Là c'est loose, là actuellement c'est loose. Je vois pas ce que je peux faire. IEM, IEM, bombe, feu, c'est parti. C'est parti là. Mais comment tu veux que je fasse? Il téléporte là? Et en plus il se téléporte? Je me tire en fait. C'est pas très sympa quoi. On crame, bien sûr qu'on crame. Je vais rajouter un point d'esquive parce que en vrai j'ai que 20% d'esquive. Pas dingue. Hein. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Il y a qu'une seule façon de les battre, c'est pas vrai. Pas une seule façon de les battre. C'était un mensonge. Ceci est un mensonge, je reconnais. En invasion, en fait, c'est compliqué parce que du coup... En fait, en invasion, c'est hyper compliqué quand t'abordes parce que du coup, il n'y a pas d'O2 vu que c'est des vaisseaux sans pilote. Donc, il n'y a pas de système d'O2 en fait. On va y aller quand même. David, il va mourir. So long, David. Désolé, j'ai tout fait. Non, mais là, j'ai tout fait. C'est dur, hein. Vraiment, c'est dur, hein. Mais comment ça, il a des...
Je sais pas quoi faire. Bisous YouTube.